Voilà. Je pense que c'est bon. OK, super. Donc, tout le monde me dit que c'est bon. Voilà, on va démarrer. Merci à ceux qui se sont connectés. Et comme vous avez remarqué, c'est hier que j'ai posté cette information-là. Donc, ce n'était pas forcément quelque chose de planifié. Il faut dire que c'est une inspiration qui m'est venue parce que j'ai vu pas mal d'amis qui vendent en ligne. Et ce n'est pas forcément optimal. Vous voyez, donc, je me suis dit, écoutez, avec ce que je sais, je pense que je peux aider des personnes. Donc, ce que je vous demande de faire avant qu'on continue, si vous avez quelqu'un qui vend en ligne, taguez cette personne-là. Je vous demande de partager cette formation à cette personne. Ce que je vais partager va littéralement changer leur manière de vendre, va changer leur manière de voir la vente en ligne. Donc, tous ceux que vous connaissez qui vendent des chaussures, qui vendent des habits, qui vendent des vêtements, qui vendent des formations, tous ceux qui vendent quelque chose en ligne. Vous-même, si votre entreprise veut aussi apporter en fait la vente en ligne, c'est important que vous puissiez regarder ce que vous avez besoin de faire. Voilà. Partagez avant qu'on démarre. Je vous demande de partager en masse parce que c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, comment vendre en ligne. Après, on a tellement de gens qui vendent en ligne, qui font beaucoup de choses. Mais il faut pouvoir aider ces personnes-là concrètement. Maintenant, pour ceux qui sont là, donc je vous réserve quelque chose de détaillé. Je vous réserve des formules qui vont vous aider à améliorer en fait vos ventes de façon significative. Je veux vraiment le préciser. Donc, je vous encourage à, si vous avez des questions, il faut les poser. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, donc je vois que des personnes sont en train de se joindre en plus au nombre qu'on est. Je vais attendre deux personnes et puis on va démarrer. Voilà, donc en attendant, si des gens ont des attentes, qu'est-ce que vous espérez voir, qu'est-ce que vous espérez comprendre de cette formation-là pour ceux qui sont dans ce call en ce moment-là? Vous pouvez écrire vos attentes, ce que vous espérez et puis je vais m'assurer de voir si je couvre vraiment la matière pour vous en fait. Des attentes précises, pas forcément. D'accord, vous voulez vendre en ligne, c'est tout. Le principe, c'est de vendre. OK. Donc, je vais ajouter un. Voilà, donc oui, bonjour Regina, ça va super, ça fait plaisir de te voir. D'accord, on va parler de la vente en ligne. Je pense que ceux qui sont intéressés sont là. Je vois, voilà, donc j'ai atteint le minimum que je voulais pour cette formation. On peut démarrer. Donc je démarre dans un instant. Je vous demande juste de préciser pour ceux qui sont intéressés vos attentes pour la présente formation. OK, je vois, il n'y a pas forcément d'attente. Eh bien, on va démarrer. On va démarrer la session. D'accord, la vente en ligne. Je vais commencer par me présenter. Je pense que c'est important pour certains, peut-être qui sont là pour la toute première fois, qui me pratiquent. OK, donc moi, rapidement, je suis un professionnel du marketing. Présentement, je suis responsable marketing régional de la marque Magie pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, c'est 25 pays. Je travaille sur la stratégie de Magie. Je travaille sur la communication, sur le digital, sur les innovations. Et puis, je m'occupe en particulier des territoires du Ghana, du Sierra Leone, pardon, on dit quoi, la Sierra Leone et le Libéria. Voilà, là, c'est d'un point de vue marketing opérationnel. Donc, je suis responsable des chiffres là. Mon expérience, donc, avant Nestlé, j'ai fait Unilever, j'ai fait Heineken, j'ai fait G4S, j'ai fait une microfinance, j'ai fait, je sais qu'il y a une que j'oublie, mais bon, j'ai fait EDF. Et donc, j'ai cumulé pas mal d'expérience. J'ai travaillé dans le digital depuis les années 2013. Et puis, je vends en ligne. Donc, pour ceux qui suivent ma page, vous savez que je vends des formations en ligne, entre autres. Après, j'ai un business
Et puis, je le fais tourner, disons, avec une équipe d'associés, beaucoup moins moi-même, mais l'équipe d'associés surtout. Voilà, merci à tous ceux qui ont rejoint la formation et puis merci à ceux qui ont partagé parce que je vois que grâce à vous, on a 30 personnes. C'est un module que je fais gratuitement, donc je vous invite à partager. Voilà, pendant que je suis en train de faire cette phase d'introduction, vous regardez en dessous de votre téléphone et puis vous partagez parce que ma foi, je pense que ça va faire du bien à certaines personnes d'avoir ce que je vais partager, je vais commenter aujourd'hui. Voilà, le besoin de la formation, c'est que le salaire ne suffit pas. Si vous prenez quelqu'un qui a 300 000 francs CFA par mois, même quelqu'un qui a 1 million de francs CFA par mois, on fait le calcul, il va louer une maison de 200 000, il va prendre un crédit pour acheter son véhicule, donc il va peut-être prendre 150 000 encore sur son véhicule, quelquefois jusqu'à 200 000, donc 400 000 sont déjà partis. Pour les 600 000 francs qui restent, il va faire le marché, j'imagine à ce niveau-là, peut-être 150 000 francs, 200 000 francs CFA par mois. Donc on a 600 000 francs qui sont partis, il va falloir payer le transport, pardon, le carburant du véhicule. Facilement, 150 000 francs sont partis par mois. On a 750 000 francs. Il va falloir s'occuper de lui-même en termes d'habits. Donc, s'il met 100 000 francs, ça fait 850 000 francs. Il va bien sûr vouloir donner quelque chose à son épouse ou sa femme ou sa fiancée. Si on met 100 000 francs encore pour les plus gentils, ça va faire quoi? 950 000 francs. Et puis, il faut épargner. Donc, il lui reste 50 000 francs. Du coup, le salaire ne suffit pas. Il faut créer de l'argent et vous avez tout pour le faire. Donc, j'ai donné un module en début d'année que j'ai appelé votre talent peut vous rapporter de l'argent. Pour ceux qui n'ont pas fait, vous pouvez repartir à cette formation-là. Et ça va vous faire du bien parce que le but, finalement, c'est que vous puissiez vraiment gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose que je veux promulguer. Depuis le début de l'année, je l'ai annoncé. Sur ma page, ceux qui me suivent, vous avez remarqué, j'ai dit en 2020, je vais aider les gens à gagner de l'argent. Parce que le marketing que j'ai appris, le marketing que j'ai pratiqué, c'est vrai, aujourd'hui, je travaille dans des entreprises, je les aide à faire donc de l'argent et je suis content de le faire, c'est ma contribution pour ces entreprises. Bien sûr, compte salaire, mais après aussi, j'ai des besoins que mon salaire ne va pas forcément couvrir. Donc, il faut que j'ai des business à côté. Et aujourd'hui, on sait combien de notre côté, donc particulièrement en Afrique, on voit particulièrement combien de gens développe la vente en ligne, développe les business. On voit des gens. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui avec avec Internet, en fait, vous pouvez tout vendre. Vous pouvez tout vendre de votre maison. Vous pouvez tout vendre de quelque endroit que ce soit dans le monde. Vous pouvez peut-être savoir tricoter. Vous pouvez commencer à fabriquer des tricots et puis commencer à vendre. Vous pouvez vendre des draps, vous pouvez vendre des tissus. Vous pouvez vendre ce que vous savez faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un employeur vous recrute. Parce que le truc, c'est que souvent, les jeunes désespèrent lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas d'emploi. Tout le monde abandonne. Moi, je vous dis, mon expérience dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé par plein de choses. Mais l'une des choses qui m'a marqué, c'est qu'on avait un cocotier dans la maison. Et puis, donc, lorsque les noix tombaient, j'ai demandé donc à ma petite sœur de faire un coco grillé, d'en faire du coco grillé. C'est pas commun, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu de tous les pays d'Afrique là en ce moment, mais avec ce coco grillé là, donc on mettait juste une petite table devant la maison, on vendait l'unité à 25 francs, mais ça me permettait par jour quelquefois de m'en sortir avec 1000 francs que je partageais avec ma soeur qui avait travaillé sur le projet. Du coup, j'ai commencé à créer de l'argent en fait depuis cette époque-là. Après, j'ai vendu des clés USB, le matériel informatique, le classique que vous connaissez en fait. Après, j'ai vendu des œufs. Donc, je faisais venir des œufs d'une ville, d'une ferme, et puis je les vendais à l'époque avec ma fiancée, qui est aujourd'hui ma femme. Après ça, j'ai ouvert une poissonnerie. J'ai fait dans la location de véhicules. La location de véhicules, c'est pas mal. Ça rapporte très bien si vous savez gérer, si vous avez les yeux dessus. Le petit topo, si vous pouvez, vous prenez un prêt, vous achetez un véhicule. Prenons un véhicule de 5 millions. Vous achetez un véhicule de 5 millions. Et puis, vous le mettez en location généralement à 20 000 francs par mois, donc 25 000 francs par mois. Donc, pour amortir, pour pouvoir rembourser ce prêt-là, si vous multipliez par 20 mois, donc au bout de près de 2 ans, vous avez remboursé. Et puis après, vous avez un véhicule. Maintenant, si vous êtes très malin, vous achetez un véhicule à 5 millions, mais qui en vérité peut se mettre en location peut-être à 35 000. Et puis là, vous avez une marge dessus. Donc, vous remboursez à la banque son argent chaque mois, vous avez un véhicule qui tourne, et puis vous avez une entrée en plus. Donc, il faut regarder un peu la manière d'investir et de vendre. Donc aujourd'hui, je salue vraiment tous ceux qui sont, je vois pas mal de personnes, je vois Clignon qui est là, je vois Fatim, je vois Neville, je vois des noms que je connais, je vois des noms que je ne connais pas. Et pour tous ceux qui me joignent, je vous invite, attendez que je mette la présentation en grand, qu'on puisse la voir. Voilà, moi je suis tout petit, ce qui compte c'est vous, c'est pas moi.
je vous invite encore, avant que je continue, vraiment à partager, en ce moment même, partager le lien dans les groupes de vente, tout ce qui s'appelle Zoom, les trucs de market, black market et autres. Là, partager la formation, inviter tous ceux qui vendent en ligne à venir prendre part à cette formation-là. Parce que, c'est, comme je dis, c'est du bon contenu que je m'apprête à vous partager. Comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, je m'apprête à casser les papots, mais des choses qui vont faire du bien. J'ai bien envie de commencer par la fin pour revenir par au début. C'était la fin. Je vais parler de témoignages. Regardez le truc qui est à gauche là. Donc, cette dame-là qui me dit, enfin, on avait discuté, c'est une personne que je connais. Et puis, elle me dit, elle a commencé à appliquer ce que je lui ai appris et je ne la croirais pas. Son objectif était de recruter 300 personnes sur chaque page. Elle a 3 pages de vente. Elle me dit, bon, ça, c'est notre langage hein, en Côte d'Ivoire, donc désolé. Elle dit, sur l'une, j'ai recruté 1600 et sur l'autre, j'ai recruté 800 en seulement 4 jours. Donc, elle a appliqué les techniques que je vais vous présenter dans cette formation-là. Et vous voyez que pour 300, elle a multiplié ce qu'elle voulait faire par 5 sur l'une page et presque par 3 sur l'autre page. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous apprendre comment vous allez pouvoir multiplier vos ventes à la fin de ce cours-là. Et vous voyez ici, ça, c'est un autre témoignage, c'est directement sur ma page Facebook. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas caché le nom. Donc, la personne me dit qu'elle a pris une de mes formations à 5000 francs. Elle dit qu'elle va avoir un bénéfice de plus de 1000%. Donc, j'ai rencontré des gens qui sont passés de 200 000 à 2 millions et qui aujourd'hui envisagent 5 millions, 20 millions. Et je vais vous montrer que c'est possible et que c'est facile à faire, mais il y a des principes, en fait, que vous devez observer. Et ce sont ces principes-là que je veux partager, en fait, avec vous. Et comme je l'ai dit, ce n'était pas quelque chose de prévu. Donc, je suis désolé pour ceux qui vont voir la vidéo après. J'aurais dû vous inviter, mais c'est vraiment hier que ça m'est venu par inspiration. Je me suis dit, écoute, je l'ai gardé longtemps. Il faut que je puisse partager avec vous ça. Donc, d'autres témoignages encore, des personnes qui ont fait des formations sur le marketing avec moi qui me disent ils apprennent. Il y a des personnes qui me disent que c'est différent de ce qu'ils ont vu. Donc, c'est un peu des témoignages que je reçois sur WhatsApp, après plein sur ma page, plein sur les modules que je fais. J'aide les gens en fait à multiplier leur vente, j'aide les gens à asseoir leur projet. J'ai un témoignage qui me dit, il y a un gars qui me disait qu'il va lancer maintenant son cours il va faire des cours d'anglais en ligne. En fait, en gros, vous pouvez tout vendre. Voilà, je voudrais vraiment insister là-dessus. Vous pouvez tout vendre, les gars. Vous pouvez tout vendre. Les gars et les gars, vous pouvez tout vendre. Littéralement, mais vendez ce qui est éthique. Ne vendez pas ce qui n'est pas éthique. Voilà, ne vendez pas les hommes, ne vendez pas les organes humains. Vendez ce qui est éthique. Et moi, je vais vous présenter ici, pour ceux qui ont un produit, pour ce que je dis, cette formation va concerner ceux qui ont déjà un produit ou bien un service ou bien un magasin ou bien quelque chose qu'ils vendent déjà, en fait. Et je vais leur montrer comment, en fait, je vais leur montrer à quel niveau ils sont parce que c'est important que vous compreniez à quel niveau vous êtes et comment vous pouvez avancer, aller au niveau suivant et puis finalement réussir à multiplier vos ventes. Même si vous travaillez et que vous avez une idée, c'est aussi pour moi de vous encourager à développer une activité à côté. Et les activités à côté ne prennent pas forcément de temps si vous savez vous organiser. Par exemple, pour la formation présente, moi, je vais passer une heure de temps avec vous dans mon samedi. Mais à côté de cela, pour préparer la formation, j'ai peut-être pris, pour faire la publicité que vous avez vue, j'ai peut-être pris une heure. Et puis, j'ai pris peut-être une heure pour préparer. Ça me fait 2 heures, puis 7 heures. Ça me fait 3 heures. 3 heures, mais mon bénéfice, c'est que je suis en train de contribuer, en fait, quelque part, au bien-être de quelqu'un. Et après, naturellement, vous allez le voir, je suis un très bon vendeur, je vais réussir à vous vendre quelque chose. Mais ce n'est pas le but, c'est de vous aider. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la vente en ligne, la vente d'abord, d'une manière générale, s'inscrit dans ce qu'on appelle le marketing, pour ceux qui ne savent pas. La vente, en fait, c'est dans le troisième pilier du marketing quand on parle de marketing mix. Marketing mix, vous avez ce qu'on appelle le produit, vous avez ce qu'on appelle le prix, vous avez ce qu'on appelle la distribution, qu'on appelle place, et puis vous avez ce qu'on appelle la promotion, qui s'appelle la communication. Donc, quand on parle de la vente, en fait, la vente est incluse dans le marketing. Pour faire la différence, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui se demandent c'est quoi la différence entre le marketing et la vente. La vente, en fait, c'est un levier d'action du marketing. C'est un moyen qui permet au marketing d'atteindre les objectifs. Donc, le marketing chapeaute à la fois la vente, il chapeaute la communication, il chapeaute le digital, il chapeaute les recherches et développement. Donc, c'est la science même, en fait, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Donc, vous devez apprendre le marketing. Pour ceux qui veulent faire des affaires, vous devez apprendre le marketing. Vous devez comprendre comment ça marche. Après, vous n'avez pas forcément besoin d'aller à l'école. Il y a beaucoup de formations gratuites sur Internet. Il y a des formations aussi payantes que je donne, par exemple. Pour ceux qui vont estimer qu'ils ont besoin de base après cette formation, ceux qui sont intéressés par j'ai un cours que j'appelle l'essentiel du marketing de la licence au master en 3 heures. Donc, en 3 heures, je vous permets de cerner l'essentiel. Si vous êtes intéressé, écrivez dans les commentaires intéressé
par le cours L2M. Écrivez juste intéressé par le cours L2M pour ceux qui veulent avoir la base en marketing. Maintenant, si vous n'avez pas la base en marketing, ce n'est pas grave. Regardez les grands commerçants dans ce monde. Ils n'ont pas toujours fait des études. Hein. Si vous les regardez bien, les commerçants dans ce monde n'ont pas toujours fait des études, mais ils ont appris sur le tas. En fait, en apprenant sur le tas, ils ont fait des erreurs, ils ont répété des schémas, ils ont vu ce qui marche, ils ont vu ce qui ne marche pas. Ils ont fait beaucoup de choses et puis ils se sont dit, ah, attention, je vais arrêter ci parce que ça ne marche pas, je vais faire ça. Donc, ils sont arrivés en fait à formaliser le marketing. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils appliquent, c'est des techniques que d'autres personnes vont apprendre à l'école, mais d'autres personnes vont apprendre dans leurs expériences comme moi. Mais les commerçants qui font du succès, qui ont du succès, en fait, ils appliquent ces techniques souvent sans savoir que c'est du marketing. Et ils peuvent être de très bons enseignants de marketing si on leur montre comment justement mettre un nom sur ce qu'ils font. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin d'aller à l'école pour vendre. Il faut qu'on aille de ce principe. Maintenant, pourquoi on va à l'école pour faire du marketing et pour vendre? Ça vous donne de la science et ça vous permet d'éviter des erreurs dès le début. Ça vous permet de prendre un raccourci. Autrement dit, si moi et quelqu'un qui n'a pas fait l'école, quand je dis l'école, je parle de l'université ou des grandes écoles, en marketing, on commence à faire un projet maintenant. Moi, j'ai une longueur d'avance. J'ai vraiment un siècle d'avance sur cette personne-là. Donc, vous pouvez prendre un siècle d'avance sur les personnes, en fait, autour de vous, si vous comprenez, vous appliquez le marketing. Le but de la formation d'aujourd'hui, c'est de vous permettre de prendre un siècle d'avance sur vos concurrents, sur tous ceux qui travaillent dans vos activités. Donc, je reconnais là des personnes parmi vous qui sont, par exemple, il y a des gens qui font de l'infographie, je vois des personnes qui sont dans la gestion des artistes, je vois des personnes qui sont dans les salons de beauté, salons de coiffure, des personnes qui sont dans la formation. Je reconnais des noms, en fait, parmi la liste, et puis il y a des noms que je ne reconnais pas. Mais en fait, ça va vous permettre d'être différent des gens qui sont dans votre secteur. Donc, je vais vous donner ces principes. Mais le principe de base, vous devez comprendre qu'il s'appuie sur le marketing. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de présenter c'est quoi le marketing, puis que vous puissiez comprendre d'où on part et où on s'en va. Principe de base, le marketing, laquelle définition? Je vais l'expliquer dans ce schéma-là. Certains ont déjà fait des formations avec moi. Je l'ai expliqué. En fait, le marketing, vous devez mettre une idée dans la tête des gens. Ce que les gens achètent, c'est une idée. En marketing, on appelle ça la perception. C'est la manière dont ils vous voient. C'est la manière dont ils voient votre offre, votre produit, votre service qu'ils vont acheter. Et si vous ne travaillez pas justement cette image, vous ne travaillez pas cette chose-là, vous n'allez pas avoir de résultat. L'exemple que je donne toujours, et j'aime cet exemple parce qu'il est fort, il est dès la fondation de ce monde, c'est l'exemple d'Adam et de Ève dans le jardin d'Éden. Ils ne mangeaient pas le fruit du milieu de l'arbre du jardin parce qu'il leur avait été interdit de manger le fruit de l'arbre du milieu du jardin. Donc, le comportement qu'ils avaient, c'est qu'ils ne mangeaient pas le fruit de l'arbre du jardin. Mais pourquoi ils ne mangeaient pas? Quand vous lisez les textes historiques, ils disent tous que, parce que Dieu leur avait dit que s'ils mangeaient le fruit, ils allaient mourir. Donc, comme ils avaient la pensée qu'ils allaient mourir, ils ne mangeaient pas le fruit du jardin. Du coup, la pensée induit le comportement. Si vous regardez, et c'est un théorème, c'est valable. René Descartes l'a dit, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Ce qui fait de nous des êtres, c'est le fait que nous ayons une pensée et c'est la pensée qui génère nos actions. Regardez, quand vous voulez faire de mauvaises choses, prenons cet exemple. Vous voulez faire de mauvaises choses. La chose est dans votre tête. Vous allez lutter contre la chose, mais vous allez finir par faire la mauvaise chose. Pourquoi? Parce que la pensée, en fait, vous dirige. Donc, la meilleure manière de gérer les actions et les comportements, c'est de pouvoir gérer la pensée. Donc, pour votre business, si vous êtes capable de toucher la pensée de vos clients, toucher la pensée de vos prospects, ou bien toucher la pensée de votre marché potentiel, en fait, vous serez capable d'agir sur leur comportement. Regardons cet exemple-là. Comment quelqu'un qui est un marketeur dans cet exemple-là, et l'exemple, malheureusement, c'est un exemple qui est un peu choquant, mais bon, il est vrai parce que c'est un cas de marketing. Le diable ou le serpent ancien, selon les versions, selon le nom qu'on lui donne, s'est dit qu'il veut emmener l'homme et la femme qui ne mangeaient pas le fruit du jardin à manger le fruit du jardin. C'est un changement de comportement et c'est ça le travail du marketing. Pour vous, dans votre business, le changement de comportement, ça sera quoi? Soyons pratiques. Aujourd'hui, vous avez ouvert un magasin, vous vendez des articles. Le changement de comportement, c'est que aujourd'hui, les gens de votre quartier, par exemple, ne viennent pas dans votre magasin. Le changement de comportement, c'est d'emmener les gens de votre quartier à venir acheter des articles dans votre magasin. Ou bien vous faites comme moi, vous avez commencé à lancer une marque de toffee. Une marque de toffee, pour ceux qui ne sont pas forcément ivoiriens, c'est des petits bonbons qu'on fait à base de lait, sucre, des petits trucs comme ça. C'est des bonbons faits maison, disons. Vous voulez lancer votre marque de toffee. Vous lancez votre marque, vous commencez à vendre, mais personne n'achète. Donc, votre comportement, ce que vous voulez faire en marketing, c'est d'emmener les gens à acheter votre produit. Donc, la première chose, c'est d'emmener beaucoup de gens à acheter votre produit. La deuxième chose, quand vous avez déjà des gens qui achètent votre produit, vous voulez les emmener à faire beaucoup plus d'achats avec vous.
Imaginons que vous avez un salon de coiffure. La dame qui vient se coiffer chez vous, elle se coiffe une fois par semaine ou bien une fois par mois. Mais vous savez que c'est une dame qui se coiffe deux fois par mois, mais une fois elle vient chez vous, deuxième fois elle va chez votre concurrent. Votre travail marketing, ça sera de dire, je veux que la femme là se coiffe deux fois chez moi, plus chez le concurrent par exemple. Donc, quelle est la pensée que vous allez mettre dans sa tête pour que la dame puisse accepter de se coiffer deux fois chez vous et non chez le concurrent? C'est là en fait que le marketing et la réflexion interviennent. Donc, vous devez commencer à réfléchir comme ça pour votre business. Il y a trois choses que vous pouvez faire. Soit vous avez beaucoup de clients, soit vous emmenez les clients actuels à acheter plus avec vous, bien acheter plus fréquemment. Soit vous les emmenez acheter des choses qui sont plus chères, ce qu'on va appeler le upselling. Donc, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du cross-selling. Donc, vous vendez des choses de même niveau. Je vais écrire le mot ici, cross-selling, pour ceux qui s'intéressent aux aspects, théoriques de la chose. Et puis, l'autre, c'est le upselling. L'autre, c'est du upselling. Donc, vous pouvez faire du cross-selling. Donc, vous pouvez faire trois choses en marketing. Vous recrutez vos clients d'abord. Vous devez avoir beaucoup de clients. Quand vous avez beaucoup de clients, vous apprenez à leur vendre d'autres choses, ce qui devient du cross-selling. Et quand vous leur vendez d'autres choses, vous les emmenez maintenant à acheter des choses qui sont plus chères avec vous. Ça s'appelle du upselling. Donc, quand vous voulez faire de la vente en ligne, vous devez déjà savoir que vous avez ces trois objectifs-là. Premier objectif d'abord pour vous, c'est d'avoir beaucoup de clients. Comment faire pour avoir beaucoup de clients? Je vais vous montrer une formule tout à l'heure. Donc, restez connectés. Ceux qui sont sur ma page YouTube, parce que les gens peuvent me suivre depuis YouTube et puis depuis Facebook. Ceux qui sont sur YouTube, je vous invite à aimer ma chaîne YouTube et puis à cliquer sur les rappels parce que je vais faire plein de formations comme ça, encore sur la vente en ligne et puis je vais faire venir d'autres personnes parce que le but, c'est d'aider les Ivoiriens à pouvoir, et pardon, les Ivoiriens, les Africains. Je ne suis plus Ivoirien, je suis Africain, je me fonds dans l'Afrique maintenant aujourd'hui, mais je ne renie pas mes origines, bien entendu. Mais c'est pour amener les Africains à sortir du lot. Aujourd'hui, nous, on peut avoir des entreprises qui vont vendre au-delà de notre pays. D'abord, il faut avoir une boutique qui vend au-delà de ton quartier. Tu as une boutique, mais tu vends dans un quartier. C'est bon, mais c'est petit. Pense à aller au-delà de ton quartier. Pense à aller au-delà de ta ville. Pense à couvrir ton pays. Pense à aller au-delà de ton pays. Pense à aller au-delà de la région de ton continent. Pense à aller au-delà du continent. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de vendre, vous et moi, en France, en Europe? Qu'est-ce qui nous empêche de vendre au Canada? Qu'est-ce qui nous empêche de vendre en Australie? Aujourd'hui, moi, je suis fier de dire que dans mes formations, j'ai des clients qui me viennent de France, j'ai des clients qui viennent des États-Unis. Donc, je dis, ils ont tous les aspects marketing là-bas, mais ils viennent vers ma formation. Mais comment je fais? C'est mon marketing. Et c'est ce que je vais plus ou moins partager avec vous. Mais le secret, en fait, c'est dans la perception. Donc, c'est la perception que vous devez jouer. Revenons à notre cas pratique, à notre cas d'exemple. Donc, le diable devait jouer sur la perception pour que l'homme et la femme mangent le fruit. Voilà l'objectif qu'il voulait. Il voulait que l'homme et la femme mangent le fruit. Comment faire cela? Il fallait se poser la question, quelle pensée il devait créer justement qui allait emmener ce changement-là, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? S'étant posé cette question, il a réfléchi, mais ils ont peur de la mort, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas le fruit. Donc, il s'est assis, il a fait un travail marketing. Et c'est ce travail marketing que je vous invite à faire dans vos business personnels. Demandez-vous pourquoi les gens n'achètent pas vos produits. Bien, pourquoi les gens ne viennent pas vers vous pour le service que vous vendez? Demandez-vous, qu'est-ce que vous devez dire à ceux qui n'achètent pas? Parce que le premier but, c'est d'avoir beaucoup de clients. Donc, demandez-vous pourquoi je n'ai pas beaucoup de clients. Qu'est-ce que je ne dis pas? Qu'est-ce que je ne dis pas bien? Et je vois certains parmi vous, j'ai déjà vu vos posts, j'ai déjà vu les publicités que vous faites. Il y en a qui sont corrects, il y en a qui ne sont pas juste à point. On va en parler tout à l'heure. Je vais vous montrer c'est quoi faire une bonne publicité et puis comment y arriver. Mais il y en a qui ne sont pas à point, je peux vous le dire. Après, si certains sont intéressés, je peux choisir leur publicité puis aller leur dire en inbox, voilà ce que tu as fait comme erreur. Mais on fait des erreurs en fait qui ne changent pas, qui font que vous ne changez pas. Depuis que vous avez commencé à vendre, vous vendez toujours dans la même tranche. Vous vendez 200 000, 300 000 francs par mois. Pour parler un peu en euros, vous vendez 500 euros. Vous essayez de jouer au tout là, mais ça ne va pas. Vous voulez monter à plus, vous voulez monter à 1 000 euros, vous voulez monter à 1 500 euros, vous voulez monter à 1 million de francs CFA, 2 millions de francs CFA. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que c'est juste possible et on va appliquer des principes qui vont vous aider à y arriver. Le premier principe, c'est d'identifier la pensée que les gens ont besoin d'avoir de vous, de votre produit ou de votre service. Si vous avez trouvé la pensée, vous avez tout trouvé. Parce que la question ici, dans notre exemple, le diable s'est posé la question, quelle est la pensée qui peut créer le changement? Il s'est dit, si les hommes se disent que, attends, on va manger le fruit, on va mourir, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je dois leur dire pour qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas mourir?
il a commencé à créer le doute. Il a dit, est-ce que vous êtes sûr que Dieu a dit, est-ce que vous êtes sûr que vous allez mourir? Et quand vous commencez à créer le doute, en communication, ça s'appelle créer du bruit. Il faut amener les gens à douter du fait que, ah, attention, hein, c'est vrai, ils sont en train de dire quelque chose, mais est-ce que c'est vrai? Quand, donc, douter de quoi? Douter de ce que les concurrents vendent. Je ne dis pas de salir la réputation des concurrents, non. Je dis pas de, je dis au contraire de commencer à montrer que, attention, il faut regarder quand vous faites des choix. Merci beaucoup, Deus. Tu as donné un bon exemple. Deus dit, et merci pour ton exemple, il n'a pas honte de le dire. Il dit, je vends des chaussures en ligne, mais je ne fais même pas 100 000 francs de vente en ligne par mois. Je vais m'améliorer. Deus, après cette formation, tu vas t'améliorer. Je te promets, dès que tu vas appliquer les petites techniques qui sont là, je te promets que tu vas t'améliorer. Et puis, tu reviendras ici, rendre témoignage. Donc, Deus, moi, je te donne l'objectif de passer à 200 000 francs déjà, premier mois. Et puis, de 200 000 francs, on va aller à 400 000 francs. De 400 000 francs, on va à 1 million. Et puis, de 1 million, tu commences à faire autre chose avec ton argent. On dit autre chose, commence à investir dans des choses qui vont te rapporter plus d'argent. Bon, ça, c'est des principes d'entrepreneuriat, mais on en reparle. Hein. Voilà. Donc, oui, voilà. Et j'ai un bon commentaire de Mèche Moins Cher qui dit, oui, il faut identifier la pensée. Oui, Mèche Moins Cher, le nom est clair, je suppose que tu vends des mèches. Mèche Moins Cher, quelle est la pensée? Qu'est-ce que toi, tu mets derrière tes mèches qui font qu'elles sont différentes des autres? C'est la pensée que tu dois identifier. Et quand tu identifies la pensée de manière correcte, écoute, ça change, ça crée le changement. Donc, le diable s'est dit, quelle pensée? Il a dit, mais écoutez, vous n'allez pas mourir. Donc, la femme à qui il a parlé a commencé à être attentive. Regardez bien aussi dans l'histoire, le diable n'est pas allé parler à l'homme, hein, il allait parler à la femme. Encore une fois, vous pouvez vous tromper de personne à qui vous parlez. Ça, c'est très important que vous reteniez. Quand vous faites du marketing, si vous vous trompez de la personne à qui vous devez parler, ce qu'on appelle la cible, vous êtes foutu. Asseyez-vous, demandez-vous bien, qui est-ce qui peut acheter mon produit? C'est de cette personne-là, ce n'est pas vous-même. Peut-être que vous-même, vous n'allez jamais utiliser votre produit. Donc, ne vous regardez pas. Regardez les personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit. Comprenez ces personnes-là. Et puis, demandez-vous pourquoi aujourd'hui, elles peuvent acheter, mais pourquoi elles n'achètent pas? Qu'est-ce qui les bloque dans leur tête? Qu'est-ce qui les empêche de venir acheter mes produits? Une fois que vous avez trouvé cela, une fois que vous êtes clair là-dessus, vous allez trouver maintenant qu'est-ce que vous devez leur dire qui va créer la différence. Et ce que vous devez dire, ça doit être toujours plus fort que ce que la personne pense à l'état actuel. Dans l'état actuel, l'homme et la femme, dans cet exemple-là, pensaient qu'ils allaient mourir. Donc, le diable s'est demandé, mais qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus fort que la mort? À votre avis, qu'est-ce qui est plus grand, plus fort que la mort? Ceux qui ont déjà fait le cours avec moi, pas besoin d'écrire. Laissez ceux qui n'ont jamais fait le cours avec moi écrire. Qu'est-ce qui est plus grand, plus fort que la mort? Bon, je n'ai pas de réponse, ok, mais je vais répondre pour vous. Merci, c'est la vie. Merci, Alex. Franck, Alex dit, c'est la vie. Oui, c'est la vie qui est plus grande que la mort. Et la vie, c'est qui? La vie, c'est Dieu. Et si vous lisez les versions dans les livres saints, vous allez voir que le diable a dit, mais c'est faux. Dieu sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir, en fait. Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. Donc, si tu deviens comme des dieux, tu deviens comme Dieu, tu deviens immortel. Dieu est plus grand que la mort. Donc, c'est ce que le diable a mis dans leur tête. Il a dit, vous allez devenir comme Dieu. Oui, Dieu soit répondu, l'amour, l'immortalité, la vie, ça revient à la même personne, ça revient à Dieu. Il a dit, vous deviendrez comme des dieux. Donc, l'une des choses, c'est de bien identifier la pensée, vous comprenez? Mais il faut la dire d'une manière qui devient crédible, en fait, pour la personne à qui vous parlez. Une manière qui devient digeste. Si vous êtes égal de Dieu, ou bien vous allez être immortel et n'allez pas croire, mais... Il leur a dit, vous allez devenir comme des dieux. Ça veut dire quoi? Il y a la manière de formuler aussi la pensée. C'est très important. Ce qu'on appelle le copywriting. Donc, la manière dont vous écrivez votre publicité ou bien la manière dont vous faites votre publicité, votre message publicitaire, il est très important. Vous voyez, si vous n'avez pas une bonne transition, un bon message publicitaire, vous n'allez pas attirer les gens. Ils ne vont pas venir vers vous. Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. C'est le premier principe que je veux que vous gardiez. Il faut trouver la pensée qui fait que les gens ne posent pas le comportement qui vous arrange. Quand je dis le comportement qui vous arrange, ça peut être un comportement de commencer à acheter votre produit. Ça peut être un comportement d'acheter, de faire du cross-selling, d'acheter d'autres choses avec vous. Ou bien ça peut être un comportement d'acheter des choses plus chères avec vous. Donc, il y a trois choses, trois comportements que vous pouvez attendre de votre marché. On retient cela déjà. Deuxième chose, après avoir retenu cela, vous devez comprendre qu'il y a une pensée qui fait que les gens ne posent pas l'action. Vous devez identifier la pensée, c'est la deuxième chose.
Et la troisième chose, après avoir identifié la pensée, ce que vous devez faire maintenant, c'est de savoir trouver la pensée qui est plus forte que la pensée qui fait que les gars ne bougent pas. Et puis la quatrième chose maintenant, c'est de savoir formuler maintenant votre message. Dans cet exemple, il a formulé son message. Il a dit, vous deviendrez comme Dieu. Il a formulé son message. Voilà, Franck Alex a nous fait un bon commentaire. Il dit, je suis professionnel des ressources humaines. Ça me donne des idées de transposition de cette technique dans les domaines de la gestion des ressources humaines. Franck Alex, tu as tout compris. Le marketing, en fait, est au cœur de notre vie. Pourquoi? Le matin, quand vous réveillez, vous avez besoin de vous brosser les dents. Vous devez choisir un dentifrice. Il y a du marketing. Le matin, quand vous vous levez, vous devez démarrer votre voiture. Vous avez acheté une voiture. C'est le marketing qui vous a impacté. En fait, tant qu'il y a des besoins, il y a du marketing. Le fait de vouloir manger la sauce graine aujourd'hui, c'est que la sauce graine a fait un bon marketing par rapport à vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire la sauce graine ou le marketeur qui est derrière la sauce graine, permettez-moi de prendre cet exemple, a su vous donner la pensée qu'il fallait pour que ce jour-là, vous ayez envie de manger de la sauce graine. Du coup, tout est marketing en fait. Tant qu'il y a des besoins, il y a du marketing. Moi, aujourd'hui, je vais juste l'appliquer au cadre de la vente en ligne. Premier principe, donc, identifier la pensée, trouver la pensée qui est plus forte et puis formuler la pensée d'une manière en fait que les gens peuvent comprendre, accepter et assimiler. Voilà, on va parler de la vente en ligne. Donc, on va parler des plateformes en ligne. Vous pouvez utiliser différentes plateformes pour vendre en ligne. Je pense que ça, vous le savez. Vous pouvez utiliser Facebook. On va voir tout à l'heure les détails. Mais il faut comprendre en fait comment le digital a évolué, comment le digital a grandi aujourd'hui dans le monde et particulièrement en Afrique. J'ai un commentaire auquel je vais répondre avant de partir. Avant de partir sur la suite, je veux dire, Franck Seri dit, en toute franchise, je ne sais pas quoi vendre, chaussures, habits ou autres. Je suis là à réfléchir seulement. Aidez-moi, je veux ce qui sort et frappe à l'œil. Je pense que ta première erreur, c'est de justement chercher forcément ce qui sort et frappe à l'œil. Pourquoi je le dis? Regarde autour de toi et puis questionne les besoins. Les gens ont des besoins. Est-ce qu'il y a un ami qui a déjà venu te demander comment on fait X, Y ou Z, ou bien qui t'a dit comment je peux résoudre tel problème? Les gens t'exposent leurs problèmes. Les problèmes que les gens exposent à côté de toi, il y a toujours une solution à ces problèmes et tu peux commencer à leur vendre la solution. Par exemple, moi, ce que je suis en train de vous vendre aujourd'hui, je sais que vous avez besoin de vendre en ligne, de savoir multiplier vos chiffres. Et je suis en train de vous vendre cela, mais vraiment d'une façon douce et suite. Vous n'allez même pas sentir que je suis en train de vous vendre. Mais tu es en train de chercher trop loin quelque chose que tu peux résoudre toi-même. Tes amis, regarde tes amis autour de toi, regarde tes parents, regarde ce qu'ils te demandent et puis prends cela en fait. Que tu commences à trouver une réponse au problème des gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux regarder autour de toi ce qui marche. Tu peux commencer. Parce que le point, c'est que si tu commences jamais, tu ne vas jamais aussi savoir. Tu peux commencer. Prends les chaussures et puis essaye. En essayant, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que, attends, ça ne marche pas, je vais passer à l'autre. Mais pour éviter de tâtonner, la vraie réponse, c'est de regarder autour de toi, de chercher à comprendre déjà dans ton environnement proche ce dont les gens ont besoin. Parce que quand tu vas commencer la vente, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit offline, comme on le dit, qu'elle soit sur le terrain, tu as besoin, tu as besoin de pouvoir d'abord commencer dans ton entourage et puis avant d'aller plus loin. Donc, je dis toujours, tu commences dans ta maison même, tu vas dans ton quartier, tu sors de ton quartier, tu fais ta commune, tu fais ta ville, tu fais ton pays et puis tu fais plusieurs pays. Comment j'ai commencé à vendre mes formations au début, c'est quand j'étais à Abidjan, je vendais les formations. Après, je suis sorti, je suis à Accra, je commençais à vendre à Abidjan, puis je me suis dit, mais pourquoi je n'ouvre pas? J'ai ouvert, j'ai des clients au Sénégal, il y a des gens de la Guinée qui sont là, il y a des gens du Congo, il y a des gens de tous les pays finalement qui sont en train de me suivre. Et je dis, voilà. Mais c'est par étapes, tu commences à comprendre ce qui est autour de toi. Donc, comprends les besoins, tu vas trouver la solution pour vendre. Voilà, ceux qui sont dans ce problème, j'ai donné une formation qui s'appelle, vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous regardez sur ma page Facebook, je l'ai appelée. Votre talent peut vous donner de l'argent ou bien entreprendre à partir de ce qu'on sait faire. Donc, tu n'as même pas besoin, souvent, quelquefois, tu n'as même pas besoin d'aller acheter des produits pour venir vendre. En toi, tu as des ressources, tu as des connaissances, tu as des choses que tu sais faire. Peut-être que tu sais bien balayer. Si tu sais bien balayer, ça peut devenir un business. Tu peux te proposer d'aller balayer les entreprises des gens et on va te payer pour ça. Tu peux mettre le prix que tu veux si tu sais justement te vendre comme on va le voir. Du coup, il y a des choses en toi et puis il y a des choses extérieures. Mais va voir ce module, cette formation-là, sur ma page ou ma chaîne YouTube. Tu cherches
entreprendre à partir de rien, bien, votre talent peut vous donner de l'argent et puis tu vas voir, ça va te faire du bien. Voilà, on va parler du paysage digital. Aujourd'hui, en Afrique et dans le monde, le digital est en croissance. Donc, comme vous pouvez le voir, la population mondiale est de 7,5 milliards. Il y a 5 milliards qui utilisent le téléphone. Il y a 4,5 milliards qui utilisent Internet. Et les plateformes qui sont les plus utilisées aujourd'hui partout dans le monde, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est WhatsApp, c'est Facebook Messenger, c'est WeChat, c'est Instagram, je m'arrête, et TikTok, je m'arrête là. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Voilà, donc voilà les plateformes qui sont en déploiement. On en aura besoin pour la suite, donc que vous le sachiez. Maintenant, par rapport aux applications téléphoniques, vous avez WhatsApp Messenger, vous avez Facebook Messenger, WeChat, Instagram, TikTok. Je vais m'arrêter là encore. Donc, vous avez un peu, c'est un rapport qui est diffusé par Hootsuite, qui est une société digitale. Donc, ils le font chaque année. Il y a le lien en dessous et vous pouvez avoir accès au lien. Maintenant, pour ceux qui veulent le document, il y a un lien sur ma page pour accéder à un groupe privé. Il y a un groupe privé, en fait, où je mets les documents de toutes ces formations-là. Donc, vous devez cliquer sur le lien pour accéder au groupe privé. Puis après, vous pourrez avoir le document que je vais parcourir avec vous. Voilà, je continue. On va parler des niveaux maintenant de vente. Donc, je vais vous expliquer comment la vente fonctionne et c'est valable que ce soit une grande entreprise, mais une petite entreprise. Ce que j'appelle personnellement, c'est moi qui l'appelle comme ça, la clientélisation, parce que ce mot-là n'existe pas dans la définition que je lui donne. C'est-à-dire, c'est de comprendre comment la clientèle se forme. Si vous avez compris comment la clientèle se forme, vous allez comprendre comment avoir beaucoup de clients et puis finalement, comment multiplier votre chiffre d'affaires. Donc, pour mon ami qui disait qu'il ne peut faire que 100 000 par mois, je vais te montrer comment tu peux partir à un niveau supérieur. Donc, dans la pratique, c'est dans un autre fichier que je vais ouvrir et puis je vais partager et on va le regarder ensemble. Du coup, vous me donnez un instant pour partager cet écran-là et puis application, voilà. Voilà le fichier. Ça, c'est un fichier qui vaut de l'or. Je vais mettre le fichier en grand pour qu'on ait juste un focus vraiment là-dessus. C'est un fichier qui vaut de l'or. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, à travers ce fichier, ce que je vais vous expliquer, c'est comment est-ce que la vente se forme. Quelqu'un veut me donner, un cas pratique avec quelqu'un qui est là. Quel est le chiffre d'affaires que tu veux atteindre sur 12 mois? C'est-à-dire, on te donne un an, quel est le chiffre d'affaires que tu veux atteindre? Dis un chiffre, peu importe le chiffre. Quelqu'un vend quelque chose, il veut atteindre un certain chiffre d'affaires qui me disent. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas familiers des termes, ça peut être le cas, c'est la vente que tu veux faire, la valeur de la vente que tu veux faire. En un an, tu veux vendre combien? Aujourd'hui, tu vends combien? Et puis, sur cette année, c'est-à-dire qu'on va commencer à compter de 1er août de cette année jusqu'au 31 juin de l'année prochaine, tu veux pouvoir avoir fait combien? Deuxième question, quel est le prix unitaire de ton produit ou de ton service? Et puis, troisième question, ceux qui achètent avec toi, généralement, en une année, ils viennent acheter avec toi combien de fois? Les questions sont claires. Donc, je vais écrire les questions. Chiffre d'affaires souhaité. Valeur de ton produit. OK, 1 million. L'autre a dit quoi? Je vois que c'est 2. Il dit 1 million d'euros. D'accord, allons-y sur 1 million d'euros. On va prendre 1 million d'euros. Donc, je tape 1 million. On va considérer les montants ici en euros. 1 million d'euros. Donc, pour 1 million d'euros, c'est quoi la valeur de ton produit aujourd'hui? Donne-moi la valeur de ton produit. Ton produit ou ton service vend combien?
ton produit, il coûte 1000 francs. Non, je veux quelqu'un qui me donne le chiffre d'affaires. Le gars qui a donné 1 million d'euros, à d'où sais-je? Donne-moi la valeur de ton produit. Comme on a pris ton exemple en premier, donne-moi la valeur de ton produit et puis on va continuer avec. Donne-moi la valeur de ton produit. Ou je vais prendre une valeur, hein, je regarde dans ce que vous avez donné. Prenons ce produit-là. Un produit de 50 000 francs CFA. Ou 50 000, si on prend dans ce cas-là, je vais devoir convertir en euros. Je vais prendre un produit. Prenons un produit qui coûte cher. Hein. Allons-y, on va pas hésiter. On va prendre un produit qui coûte cher. On va prendre un produit de. Je fais 1 million d'euros. Je vais prendre un produit de 1 000 euros, par exemple. 1 000 euros, à 1 000 euros, combien de fois les gens achètent dans l'année? On va dire qu'ils achètent 5 fois, par exemple. Et puis, quand ils achètent le produit à 1 000 euros, ils achètent combien de produits? On va dire qu'ils achètent un produit. Du coup, pour atteindre mon objectif, la valeur annuelle de mon client, donc sera. OK, donc j'ai un exemple ici. Hein, voilà, merci d'avoir donné. Je repasse cet exemple. Je prends l'exemple de Regina Nango. Voilà, c'est une grande dame que je connais. Donc, elle dit qu'elle va atteindre un chiffre d'affaires de 7 millions et son produit coûte 10 000 francs CFA. Allons sur cet exemple-là. Et puis, combien de fois les gens achètent avec toi dans l'année? On va dire 5 fois. Après, tu peux me dire. Maintenant, combien ils achètent par transaction? On va dire que quand ils viennent acheter, ils achètent 2 fois. Du coup, en fait, tes clients représentent 100 000 francs. Et on va aller dans le taux d'attrition. Le taux d'attrition, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas fidèles. Combien de fois, en fait, ces gens-là reviennent, en fait, reviennent acheter avec toi? Le taux d'attrition, c'est, disons, combien de pourcents de tes clients ne viennent plus chez toi? On va dire la moitié de tes clients, ils finissent l'achat, ils ne reviennent plus. Ce que vous devez savoir, c'est que ça, c'est un paramètre aussi que vous devez gérer. Vous devez apprendre à fidéliser vos clients pour qu'ils partent, mais qu'ils reviennent. Donc, ici, on a pris 50%. Et de combien de clients elle aura besoin par mois? Voilà le calcul que ça fait. Elle aura besoin de 29 clients par mois pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires-là. Et, voilà, elle aura besoin de 29 clients par mois. Et, particulièrement, comme il y a de façon calculée, ça, c'est un fichier que j'ai fait qui, de façon calculée, vous dit, elle aura donc besoin de 15 nouveaux clients par mois. Ça veut dire, dans un mois, Régina, tu vas avoir 14 clients qui vont naturellement revenir vers toi, mais tu seras obligé de recruter 15 nouveaux clients. Maintenant, comment tu fais pour recruter 15 nouveaux clients par mois? On va faire une première étape. On va travailler, on va faire avec toi la publicité une fois. Et puis, je vais mettre des taux ici. Je vais expliquer ces taux-là tout à l'heure. Je vais expliquer ces taux tout à l'heure. Je vais mettre des taux. Et puis, je vais t'expliquer tout à l'heure. Voilà, donc tu as besoin de 15 nouveaux clients. Donc, généralement, pour avoir 15 clients, il faut que tu aies parlé selon ces taux que j'ai mis là. Je vais les expliquer tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle en marketing des taux de conversion. Et ça, c'est le principe. Le cœur de ce que je vais partager aujourd'hui là se trouve dans ce qu'on va aborder maintenant. Donc, écoutez bien, suivez bien à partir de ce moment-là. Il y a ce qu'on appelle des taux de conversion. Je vais vous expliquer le principe en venant à droite ici. Et puis après, on va repartir à gauche. Vous savez, voilà un peu comment la vente marche. C'est ce qu'on appelle le principe de clientélisation. Selon moi, comme j'ai dit, ce n'est pas un thème qui existe. Donc, la notoriété, c'est le nombre de personnes. Pour que vous puissiez avoir des achats, il faut qu'un certain nombre de personnes vous connaissent. Le nombre de personnes qui vous connaissent, il y a le nombre de personnes qui vont toujours vous connaître, mais dans quel sens? Qui vous connaissent et qui vous ont à l'esprit. Donc, ils vous auront à l'esprit. Il faut un certain nombre de personnes qui vous ont à l'esprit. Mais va falloir que vous ajoutez chaque fois de nouvelles personnes qui vous connaissent. Parce que si vous cessez de vous montrer à de nouvelles personnes, en fait, vous n'allez pas atteindre votre résultat. Donc, vous devez avoir une bonne autorité, mais vous devez avoir des nouveaux. Vous devez continuer de vous faire connaître par de nouvelles personnes. Ensuite, ces personnes-là, entre les personnes qui vous connaissent et les personnes qui vont dire, ah, mais ça, c'est un produit ou un service dont j'ai besoin, il y a une déperdition. Il y a des gens qui ne vont pas, qui vous connaissent, mais qui ne vont pas acheter vos produits maintenant ou qui vont peut-être jamais acheter votre produit. Donc, vous voyez que la différence, vous voyez, il y a une différence entre la notoriété et la considération. La différence entre la notoriété et la considération, en fait, c'est ce qui fait ce qu'on appelle le taux de conversion. Donc, entre le nombre de personnes qui vous connaissent ou bien qui ont vu votre publicité et le nombre de personnes qui disent, ça, c'est un produit ou bien un service que je vais acheter, il y a une différence, il y a un pourcentage qui est là.
C'est ce qu'on appelle la conversion. Donc, la conversion de la notoriété à la considération, on peut la calculer et j'en parlerai tout à l'heure. C'est-à-dire, par expérience, vous pouvez voir que dans le mois, vous avez discuté avec 40 personnes. Mais sur 40 personnes, il y a seulement 4 qui sont venus acheter votre produit. Ça veut dire que vous avez, il y a peut-être 10 qui ont montré qu'ils étaient très chauds pour acheter votre produit. Donc, vous avez 10 sur 40, ça vous fait un quart. Ça veut dire que vous avez un taux de considération de 25%. Maintenant, parmi les 10, il y a finalement 4 qui ont acheté le produit. Donc, les 4 sur les 10, ça fait 40%. Donc, vous allez voir qu'en fait, votre taux d'achat est de 4% parce qu'il y a des déperditions. Il y a des gars qui vont toujours se monter chaud. On veut acheter le produit, on veut acheter le produit. Ils représentent un pourcentage de ceux qui vous connaissent. Maintenant, quand ils vous connaissent, ils viennent acheter. Enfin, quand ils vous considèrent, c'est-à-dire ils se disent « ça, c'est quelque chose qui me convient », ils viennent acheter le produit maintenant. Il y a un nombre encore qui se perd là et il y a un taux de conversion qui est là et ça vous donne les achats. Maintenant, entre ceux qui achètent et puis ceux qui sont fidèles, il y en a qui vont revenir, il y en a qui ne vont plus revenir. Vous devez accepter, c'est la règle. Et à cause de cela, il y a aussi un taux de conversion. Donc, vous avez au moins 3 taux de conversion. Maintenant, en fonction de la manière dont vous vendez, vous pouvez avoir plusieurs niveaux de vente. Mais généralement, ça, c'est le schéma classique. On fait de la publicité, les gens nous voient, ils nous connaissent. Deuxième niveau, ils ont fini de nous voir et de nous connaître. Ils commencent à se dire, ah, mais tiens, ça, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Comme je suis sûr, certains d'entre vous sont en train de se dire, mais la formation de Wilfried, là, elle peut m'intéresser finalement. Mais parmi ceux qui sont en train de dire que la formation peut m'intéresser, vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui va venir acheter ma formation. Il y aura peu de gens qui vont venir acheter la formation. Donc, dans mon esprit, je suis déjà préparé pour ça. Et ce n'est pas un échec. Voilà un autre problème pour les entrepreneurs, bien pour ceux qui vendent généralement et ceux qui vendent en ligne. Souvent, ils pensent que c'est des échecs, le fait qu'ils n'arrivent pas à placer beaucoup de ventes. Ce n'est pas un échec, c'est une loi de la nature. Et c'est la loi que je suis en train de vous expliquer. Il y a des déperditions entre chaque niveau. Maintenant, comme vous comprenez la loi, maintenant, c'est à vous de maîtriser la loi. Et c'est ce que je vais vous apprendre. Quand vous maîtrisez la loi, vous pouvez avoir les ventes que vous voulez. Vous pouvez multiplier vos chiffres par 10, par 20, par 30, par 40. Bref, comme je l'ai dit dans l'annonce, la seule limite, en fait, c'est le ciel. Voilà, si vous arrivez au ciel, c'est fini. Sinon, la seule limite, c'est le ciel. Vous pouvez multiplier vos chiffres si vous comprenez cette loi que j'appelle la loi de la clientélisation. Maintenant, ceux qui vont acheter votre produit, il y a un pourcentage d'entre eux qui vont rester fidèles. Les autres vont partir. Donc, votre question, c'est comment déjà faire acheter votre produit par un grand nombre et puis comment finalement les fidéliser. Mais vous devez surtout vous battre pour faire acheter votre produit par un grand nombre parce que c'est de là que tout passe. Mais pour faire acheter votre produit par un grand nombre, le schéma, c'est quoi? Du fait qu'ils vous connaissent ou ils vous rencontrent, ils vous ont rencontré, il faut qu'ils puissent vous considérer. Et c'est là où je vous parlais tout à l'heure de la pensée. Donc, la pensée que vous devez vendre, c'est celle-là qui va faire que la personne va se dire « Ah, mais ça, c'est un produit qui me va. » Quand vous lisez l'histoire de Adam et Ève, c'est ce qui s'est passé dans l'esprit de la femme. Quand il lui a dit « Si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. » Et je vais prendre la version de la Bible qui dit « La femme a commencé à voir que le fruit était bon. Il était agréable à la vue, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Elle a considéré le produit. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a fait après la considération? Elle est passée à l'action. On dit qu'elle a pris le fruit et puis elle a mangé. Donc, la considération, c'est une étape clé dans la vente. Quand vous vendez en ligne, vous devez créer de la considération. La manière de créer votre considération, c'est le copywriting. C'est la manière dont vous allez écrire votre publicité. Je vais vous montrer comment on écrit la publicité, mais pas que ça. Et à la fin, la personne va acheter. Maintenant, quand elle a acheté, si vous voulez mettre la personne dans un cycle où la personne revient acheter, vous créez des mécanismes de fidélisation. Maintenant, comment on fait pour pouvoir passer entre tous ces niveaux? Le premier niveau le plus important, c'est la notoriété. S'il y a peu de gens qui vous voient, peu de gens qui vous connaissent, ce peu de gens-là, vous n'allez jamais transformer beaucoup en acheteurs. Autrement dit, si dans votre entourage, il n'y a que 100 personnes que vous connaissez, vous qui ne faites que, par exemple, la publicité sur vos statuts WhatsApp, dans votre carnet d'adresse ou dans votre liste de contacts, vous avez 100 contacts. Vous faites votre publicité sur votre statut WhatsApp. Maximum, ce sont les 100 personnes qui vont voir. Sinon, c'est 30 personnes qui vont voir. 30 personnes ont vu. Combien de personnes ont vu votre publicité puis se sont dit ça, c'est une bonne publicité? Combien de personnes ont considéré votre publicité? Vous allez voir que sur les 30, c'est peut-être 10. Ça vous fait déjà 33%. Maintenant, sur les 10, il y a combien de personnes qui vont acheter votre produit? Vous allez voir finalement, peut-être c'est 3. Ça, c'est vraiment si vous êtes chanceux. Sinon, c'est 1 qui va acheter votre produit. Donc, c'est 10%. Du coup, vous avez une seule vente. Vous faites une pub, vous avez une seule vente. La question que je vais vous poser, si vous voulez augmenter vos ventes, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez naturellement augmenter le nombre de personnes qui vous voient. C'est la première chose. Et pour ça, c'est du média. C'est de la pub qu'il faut faire. Je vais vous donner les principes tout à l'heure. Il vous faut faire de la pub. Si vous ne faites pas de la pub, vous n'allez pas atteindre vos objectifs.
Donc, ceux qui vendent en ligne, si vous ne faites pas de la pub, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Il y a la pub naturelle que Facebook ou bien que les plateformes appellent la pub organique. Donc, quand vous postez naturellement sur votre mur, on va voir ça tout à l'heure, les gens vont voir, mais c'est organique, c'est tout ce que ça peut faire. Et Facebook fait de telle sorte que ce soit limité, Instagram fait de telle sorte que ce soit limité, Snapchat fait de telle sorte que ce soit limité, LinkedIn fait de telle sorte que ce soit limité. Donc, c'est limité en tout temps. Donc, quand vous faites de la pub organique, ça va atteindre un certain nombre, mais ça ne peut pas atteindre tout le nombre. Donc, quand vous voulez augmenter vos ventes, vous devez commencer par vous faire voir par beaucoup de personnes. Vous devez vous faire remarquer par beaucoup de personnes. Ensuite, vous devez vous faire considérer. Mais pour se faire considérer, ça devient maintenant de l'art. C'est là où le marketing est. Et là, je vais vous le montrer dans ce qu'on va voir dans la suite. C'est de trouver les bons mots. C'est de trouver la bonne approche, le bon message, mais qui traduit la pensée que vous avez trouvée. Parce que je vous ai dit, si vous n'avez pas trouvé la pensée, vous allez échouer. Donc, si vous avez trouvé la bonne pensée, vous devez écrire maintenant la pensée avec un art. Quand vous écrivez avec l'art, la personne va considérer. Maintenant, entre la considération et l'achat, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent arriver. La personne peut ne pas avoir l'argent maintenant. La personne peut avoir d'autres problèmes. Ou bien vous l'avez acheté, puis elle a eu un imprévu. Mais parce que vous avez fait un bon art, donc vous avez eu un bon message, une bonne publicité, ce que ça va impacter, il y aura un pourcentage qui va venir acheter votre produit. Mais même là, quand la personne vous considère, il faut trouver le moyen d'urger. Donc, créer l'urgence chez la personne pour acheter le produit. Il faut faire que la personne ne puisse pas refuser. Un client qui est chaud, enfin, ce qu'on appelle un prospect. Un prospect qui est chaud, c'est-à-dire des gens qui considèrent votre produit. Vous devez rapidement tout faire pour le convertir en achat. Et là, on fait ce qu'on appelle les call to action. On appelle ça les appels à l'action. Vous devez l'emmener à passer à l'action. Maintenant, vous comprenez qu'il y a trois niveaux. D'abord, il faut vous faire connaître. Et ça, c'est un poste que vous utilisez les médias. Je reviens là-dessus. Après, il faut vous faire considérer. Ça, c'est là où l'art intervient, c'est-à-dire la pensée qu'il faut activer chez les gens. Vous trouvez la bonne manière d'exprimer la pensée. Et puis, la troisième chose maintenant, c'est d'urger la personne à acheter. Maintenant, une fois qu'elle a acheté, comment vous faites pour qu'elle soit fidèle? C'est que vous lui donnez une bonne expérience. Pendant l'achat et après l'achat, la personne doit dire « Waouh, ce que j'ai acheté, c'est magnifique. J'aime. J'aime ton service. J'aime le produit que tu m'as vendu. Je vais revenir. » Là, vous devez ravir la personne. Ça vous permet de rester. Donc, on a fini de poser les bases de la clientélisation. Maintenant, on va faire le cas pratique. Donc, dans le cas pratique de Regina, elle veut faire un chiffre d'affaires de 7 millions. Elle a son produit coûte 10 000 francs. Et généralement, ses clients achètent 5 fois par année avec elle. Et puis, ses clients achètent, quand ils viennent, ils achètent deux unités de ce produit-là. Et donc, la valeur annuelle, donc c'est un calcul, est de 100 000 francs. C'est un calcul automatisé. J'ai déjà mis en place les formules. Ça, c'est un tableau que je ne donne pas. Je donne juste à ceux qui vont faire ma formation. Mais vous devez comprendre comment ça se passe. Donc, ceux qui sont intéressés par ce tableau magique-là, je vais dire magique, qui va vous permettre de prévoir vos ventes, vous rentrez dans ma formation et puis vous allez avoir le tableau gratuitement. Voilà, donc ça nous dit qu'on doit avoir 29 clients par mois pour elle, pour atteindre le chiffre d'affaires. Et parmi les 29, on doit avoir 15 nouveaux parce que 14 vont venir naturellement. Maintenant, on regarde les taux de conversion. Dans les taux de conversion, donc on sait que si on va avoir 15, généralement, c'est 10% des personnes qu'on touche. Ça veut dire que dans le mois, Regina, par exemple, tu dois pouvoir parler avec 146 personnes par mois pour pouvoir avoir tes 15 nouveaux clients parce que les 14 vont venir naturellement. Donc, les 146 personnes, tu dois t'arranger à les trouver. Maintenant, comment tu trouves 146 personnes qui sont déjà des clients, des prospects ou des leads chauds? Comment tu les trouves? Ces prospects chauds, là, comment tu les trouves? Il faut déjà toucher un grand nombre. Mais généralement, tu vas savoir que, OK, quand tu touches un grand nombre, c'est 1 ou 2% qui viennent. Et ça, c'est les règles du marché. Ce taux-là, je vais mettre même 1%. Ça veut dire que, Regina, pour parler à 146 personnes, tu dois t'assurer que tu touches par mois 14 583 personnes avec un bon message. Maintenant, si tu regardes ce que j'ai mis à côté, j'ai mis ici, pour toucher, quand tu vas toucher 14 583, il te faut ce qu'on appelle un contenu de recrutement, de persuasion, c'est-à-dire ton message doit être fort. Quand le message sera fort, tu vas voir qu'il y a 146 naturellement, au moins 146, si tu as fait un bon message, qui vont venir te dire, mais ton produit nous intéresse. Parmi les 146, généralement, tu as 10% qui vont acheter ton produit. Mais ces taux qui sont là varient en fonction du produit que vous vendez. Attendez que je cache un peu ce commentaire là.
Il varie en fonction du produit que vous vendez. Et puis, il varie en fonction, il varie en fonction du produit que vous vendez, il varie en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes et il varie en fonction de la valeur unitaire de votre produit. Comme la valeur est plus faible, vous allez voir les taux de conversion beaucoup plus élevés. Mais comment on trouve ces taux de conversion? C'est par expérience. Donc, vous allez commencer à regarder vos chiffres, mesurer vos chiffres. Ce mois, j'ai touché combien de personnes? Combien de personnes sont venues parler avec moi? Combien de personnes ont fini par acheter? Ça vous donne les taux de conversion et vous pouvez prévoir vos ventes. Donc, vous n'avez même pas besoin de mon tableau. Je vous ai donné à la base du tableau pour pouvoir le faire. Si vous savez comment faire les calculs. Si vous ne savez pas, vous voulez le tableau magique. Après, on se parle, après la formation. Maintenant, pour trouver, pour toucher justement 14 583 personnes, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte. C'est combien de personnes vous connaissent naturellement. Combien de personnes, dans la tête de combien de personnes vous êtes. Ici, j'ai pris 1%. Je vais être pessimiste. C'est-à-dire qu'il y a seulement 1% de personnes qui me connaissent. Ça veut dire que je dois, les nouvelles personnes à toucher, je dois toucher 14 438. C'est là où, en fait, les grandes marques sont fortes. Parce qu'une grande marque, ce que, l'indicateur que j'ai mis ici s'appelle le top of mind awareness, ce qu'on appelle la notoriété spontanée. Une marque et notoriété spontanée, c'est un peu comme magie. Quand vous dites, est-ce que vous connaissez magie? Mais quelle marque de bouillon culinaire vous connaissez? Vous allez dire magie. Parce que, donc là, notre taux de, notre top of mind awareness, donc notre taux de notoriété spontanée est grand. Du coup, chaque mois, si je mets ici, par exemple, 90%, vous allez voir que chaque mois, si j'étais dans ce cas, j'avais juste besoin de toucher 1400 personnes. Si tu as un taux de notoriété élevé, ça te permet de devoir toucher moins. Le message que je vais envoyer là, c'est ce que j'appelle le contenu d'entretien. Voilà pourquoi il ne faut pas faire juste que des posts. Si vous avez une page ou bien vous avez des plateformes où vous vendez, vous ne devez pas juste faire des trucs pour vendre. Généralement, les gens viennent faire de la publicité sur Facebook quand ils veulent vendre. Vous savez, ça marche. Quand tu as besoin de vendre sur Facebook, là, je vais mettre mon visage pour bien parler. Quand tu as besoin de vendre sur Facebook, tu n'as pas besoin d'avoir une marque. Tu n'as pas besoin d'être connu. Je peux vous dire, dans la base, tu viens, tu mets sur Facebook, tu fais de la pub, les gens vont voir. Ce qui se passe, c'est que ce qui est extraordinaire avec les réseaux sociaux, c'est que ce processus que j'ai décrit là, ça peut se passer en 10 minutes. C'est-à-dire, je fais la pub, le gars voit ma pub, il connaît ma pub, le message est bon, il considère mon message. Je mets un lien pour acheter avec carte bancaire, il achète en même temps. En une minute, j'ai géré cela. Dans le marketing traditionnel, quand on ne parlait pas encore de la vente en ligne, vous allez prendre du temps. Quand vous lancez un produit, les gens vont chercher à connaître le produit, ça prend du temps. Et puis après, vous allez faire des échantillonnages, les gens vont essayer le produit. Après, ils vont venir, on va considérer un peu le produit. Jusqu'à ce qu'ils achètent, vous allez passer 3 mois, 4 mois quelquefois. Voilà pourquoi les entreprises qui lancent au début souffrent. Mais sur le digital, les gens peuvent traverser ce processus-là. Juste en 4 minutes, en 5 minutes, et puis ils font l'achat. Mais quand ils ont fini l'achat, c'est ce qu'on appelle une transaction. Vous avez fait une transaction, vous avez réussi à vendre, c'est bien. Vous pouvez avoir une approche que transactionnelle, c'est-à-dire quand le jour où vous voulez vendre, vous venez, vous faites la pub, vous vendez, c'est fini. Vous attendez. Maintenant, vous pouvez avoir une approche différente où vous créez une marque. C'est-à-dire là, quand je dis créer une marque, c'est une relation. Vous voyez ça comme ça. Donc, vous créez une relation avec votre public, avec votre audience. Ils sont là, tous les jours, vous voient, vous les entretenez, tous les jours, ils sont là, ils sont contents. Le jour où vous allez dire que vous vendez, ils vont acheter plus facilement. Donc, ce jour-là, vous n'aurez pas besoin de toucher beaucoup plus de nouvelles personnes. Donc, pour une marque qui ne fait pas d'entretien, donc qui ne fait pas du marketing, là, on parle de marketing, on parle de content, elle est obligée chaque fois de recommencer le cycle et elle a besoin de toucher beaucoup de personnes pour vendre. Donc, vous pouvez faire de la vente en ligne sans faire du marketing, ça se comprend bien. Vous pouvez venir aujourd'hui, je vends, j'ai fini, je disparais. Le jour où j'ai un produit, je viens, je vends, je finis, je disparais. Le problème, c'est que vous allez dépenser plus parce que vous êtes obligé chaque fois de venir investir pour reprendre tout le processus. Mais alors que si vous êtes arrivé à avoir du contenu, vous entretenez les gens, vous avez des choses que vous mettez sur votre page et tout ça, vous entretenez les gens, vous les gardez dedans, vous allez voir que quand vous allez vouloir revendre, vous allez devoir dépenser moins. Et ça, le jeudi prochain, j'organise une session qui s'appelle les jeudis du marketing, si vous n'avez jamais participé. Le jeudi prochain, on va parler de brand content. Donc, comment avoir du contenu justement pour entretenir sa cible. Donc, regardez, il faut du contenu d'entretien, comme vous le voyez. Il faut du contenu de recrutement, il faut du contenu de persuasion. À la fin, ça peut être le même contenu. Quand un contenu de persuasion est fort, il vous permet de faire tout cela en fait. Donc, il faut avoir ce que vous visez pour faire du bon contenu. J'anticipe sur la formation la prochaine fois. C'est du contenu de persuasion. Il faut que votre message soit vif, il soit pointu, il soit aigu. Je vais vous montrer comment on écrit ce message dans quelques minutes. Et puis, donc, quand vous faites là, ça vous dit
à peu près combien de nouvelles personnes vous devez toucher. Ici, dans le cas d'exemple, on a estimé que Regina, pour ton cas, tu ne fais pas d'entretien, donc tu as 1% de personnes qui sont juste à la tête. Du coup, tu as besoin de toucher 14 000 personnes ce mois-là. Donc, on va regarder ton budget annuel pour atteindre ce chiffre de 7 millions. Généralement, un budget de marketing tourne autour de 7 à 20%. Donc, naturellement, je mets un budget là de 700 000. C'est-à-dire, il faut que tu prévois, si tu fais 7 millions dans l'année, il faut prévoir 700 000 de publicité. Ceux qui ne veulent pas faire de la publicité, je vais vous montrer pourquoi c'est dangereux, mais vous devez faire de la publicité. Je vous l'ai déjà dit, si peu de gens vous connaissent, vous n'allez jamais réussir à convertir ce peu qui vous connaissent là à devenir beaucoup de clients. Il n'y a pas de miracle, c'est la loi de la nature, c'est une loi de conversion. Ça passe comme ça. Les gens vous connaissent. Quand ils vous ont connu, ils peuvent vous considérer ou pas. Mais il y a toujours moins qui vont vous considérer, il y a toujours moins qui vont vous acheter. Donc, si vous voulez beaucoup d'achats, vous devez multiplier le premier, le niveau d'entrée, qui est le niveau de connaissance. Les gens doivent vous connaître. Donc, on fait l'exemple pour Regina. Maintenant, pour Regina, quand vous avez utilisé la publicité sur les réseaux sociaux, la publicité sur Facebook, la publicité sur LinkedIn, la publicité sur Snapchat, la publicité sur Instagram, vous pouvez prévoir combien de personnes, quel argent il vous faut mettre pour toucher ce nombre de personnes-là. Donc, ici, vous devez définir votre cible. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de la pub sur Facebook, sur les réseaux sociaux, j'ai un module dédié à cela. Ce module-là, il coûte 100 000 francs. Je l'appelle le marketing digital, comment ça marche. Le marketing digital, comment ça marche. Je vous fais la stratégie marketing dedans avec des cas pratiques. Un cas pratique qu'on traite de bout en bout. Je vous fais la stratégie digitale là-dedans. Je vous fais comment créer du contenu dedans, du contenu de persuasion. Je vous fais comment apprendre à faire la publicité sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Et généralement, c'est suffisant pour déjà commencer à placer de bonnes ventes. Mais il y a encore beaucoup que je vais vous dire. On a passé l'heure, je n'ai pas fini. Ceux qui veulent rentrer, vous pouvez rentrer. Ceux qui veulent rester, vous pouvez rester. Tout le monde fait, quand on va finir, la vidéo sera là. Mais je pense qu'en live, ceux qui vont rester, ils vont avoir beaucoup plus et puis ils pourront poser des questions directement. Donc, quand j'utilise maintenant la plateforme, là, il faut savoir utiliser les plateformes de publicité. Quand j'utilise la plateforme de publicité, je suis capable de prédire les ventes. Je suis capable de dire, voilà la vente qu'il me faut faire. Je dois faire, quand je sais utiliser l'outil de publicité, je suis capable de dire quel budget j'ai besoin de mettre. Dans le cas d'exemple, je me dis, OK, je vais mettre un budget quotidien de 20 dollars. Quand je mets 20 dollars me dit que je peux toucher. Ça, ce n'est pas un calcul. Ça, c'est vraiment sur Facebook. Vous devez voir ça. Si les gens n'ont pas vu l'utilité de publicité, les gens n'ont jamais vu, je vais vous le montrer à la fin. Sur Facebook, par rapport aux critères que j'aurais mis, je vous ai dit au début, il faut bien connaître la cible. À l'instar du serpent ancien qui savait que c'est la femme qu'il fallait toucher. Connaissez bien votre cible, sachez la toucher. Quand vous êtes clair sur la cible, vous mettez le budget. Ça va vous dire par rapport à la cible, le budget que vous mettez. Voilà, ça, vous pouvez couvrir avec 20 dollars, vous pouvez couvrir ici dans l'exemple 23 000 personnes. Alors que Regina a besoin de toucher 14 000 personnes. Ça veut dire qu'elle aura besoin de combien de jours? En un jour déjà, elle a fini sa publicité. Donc, Regina n'a pas besoin de faire la publicité sur 30 jours, 40 jours pour atteindre son objectif mensuel par rapport à ce qu'on vient de voir. Il suffit qu'elle fasse la publicité sur un jour et ça va lui permettre de toucher 23 000 personnes et elle aura dépensé, donc en francs CFA, 7 000 francs. 7 000 francs vont lui rapporter combien de clients? 7 000, 29 clients par mois. Et regardez bien, 29 clients, ça sera quoi son chiffre d'affaires par mois? Regina aura fait 29 clients multipliés par, elle vend 10 000. Et puis elle dit, chaque fois que les gens viennent acheter, ils achètent 2 unités. Elle aura fait 583 000. Donc, pour 583 000, et je crois que j'ai pas fait le calcul ici. Je l'ai calculé ici, voilà. Donc, pour 783, elle a dépensé 7 500 et elle a eu 500 000. Donc, le retour sur investissement est de 7 731%. Voilà pourquoi vendre en ligne est parfait. Benjamin me dit, il y a un bon commentaire, j'aime les bons commentaires, merci pour le retour. Votre fichier est vraiment très précis pour établir des prévisions de ventes et chiffres d'affaires. Oui, il est précis et ça marche, je l'utilise moi-même pour prévoir. Du coup, je sais combien de clients je dois toucher par mois, le budget que je dois mettre sur le digital. Du coup, si vous voulez, mettons ici, Regina, tu as fait 7 millions, tu es fatigué de 7 millions,
L'année d'après, tu es passé à 70 millions. Je n'ai pas peur des chiffres. Je mets 70 millions. Regina, tu dois dépenser par mois 75 453. C'est selon les hypothèses qui sont là. Bien entendu, pour faire ça, il faut que vous sachiez utiliser l'outil Facebook, puis pouvoir faire les hypothèses. Et puis, il faut que vous sachiez vos taux de conversion. Mais suivant les taux de conversion qu'on a mis ici, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez le faire vous-même généralement après le deuxième mois, le troisième mois d'exercice, parce que vous allez comprendre vos taux de conversion. Ce qui change ici, c'est les taux de conversion. Première chose, quand vous êtes clair sur les taux de conversion, ce qui va changer maintenant, c'est la qualité de votre publicité ou bien de votre message, ce qu'on appelle le contenu. Jeudi prochain à 19h, connectez-vous encore. On va vous former sur le contenu gratuitement pour vous permettre de le faire. Maintenant, ceux qui veulent aller loin et qui veulent aller vite, j'ai une formation complète là-dessus qui coûte 99 000 francs. Mais si vous êtes capable de faire votre paiement avant la fin de ce mois, je dirais, je vous donnerai la formation à 49 900. Donc, la moitié, en fait, je vous fais 50%. Ceux qui sont intéressés, vous écrivez intéressé intéressé digital. Vous écrivez et puis mon commercial pourra vous contacter. Une minute, s'il vous plaît. Ok, désolé, hein, j'avais juste un petit truc à gérer. J'espère que vous êtes encore branchés. Voilà. Donc, j'ai deux qui sont intéressés par le digital. Regina Nongo, elle a démarré la discussion, elle a démarré la formation digitale. Je pense, Regina, tu peux témoigner un peu en commentaire comment tu la vois, comment tu la sens. Je pense que Cédric a fini la formation. Cédric, tu peux donner aussi tes témoignages. Il y a certains qui sont là qui ont fini la formation, qui n'ont pas forcément le volet que je suis en train de partager avec vous, mais qui peuvent déjà parler de bonnes choses qu'ils ont expérimentées dans cette formation. Voilà, donc Regina, on a mis 70 millions. Pour avoir 70 millions, tu dois dépenser par mois 75 000. Donc, tu dois prévoir un budget de 7 millions. Tu dois dépenser 75 000, c'est ça. Et tu dois le faire, en fait, 6 jours, dans le cas qu'on a fait. Et ça va te donner, je vérifie si mes formules sont connectées, ouais. Donc, tu dois prévoir un budget, on est parti sur 10%. Mais suivant ce qu'on vient de faire, en fait, si tu fais 75 000 multiplié par 12, en vérité, tu dois te préparer 1 million de francs pour avoir 1 million de francs pour avoir 70 millions. Du coup, vous comprenez que, en fait, vous pouvez faire le chiffre d'affaires que vous voulez. Vous pouvez faire le chiffre d'affaires que vous voulez. En fait, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est vous-même. Bon, si vous vendez des marchandises aussi, il faut avoir l'argent pour pouvoir acheter ces marchandises-là. Parce que pour vendre 70 millions, j'imagine que vous allez acheter au moins des marchandises dans l'ordre de 50 millions. Donc, il faut avoir l'argent pour acheter les marchandises. Donc, ça, c'est une autre limite. Mais même là, si vous êtes confiant en votre potentiel et confiant en fait que vous connaissez le marketing maintenant, ce que vous allez faire, vous allez juste dire, OK, je vais prendre crédit pour le faire parce que je sais que ça va atteindre. Mais ne courez pas pour aller prendre crédit. Commencez à faire sur des petites échelles. Je vous ai dit, commencez d'abord dans votre quartier, dans votre maison, après dans votre quartier, après dans votre ville, après dans votre pays, et puis vous pouvez monter. Et parce que là, en ce moment, vous allez comprendre, première chose, comment vous allez comprendre votre efficacité en médias. Vous allez savoir si vous êtes bon en médias, vous allez améliorer votre technique d'achat des médias. Deuxième chose, vous allez améliorer votre contenu, donc votre publicité, ce que j'appelle le marketing même. Vous allez l'améliorer au fur et à mesure. Et puis, troisième chose, donc vous allez justement pouvoir maîtriser vos taux de conversion. Donc, commencez à une petite échelle et puis vous allez avancer, vous allez vous retrouver, comment dire ça, vous pouvez grandir. Donc, c'est comme on le dit dans notre jargon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous devez commencer petit, comprendre cette pyramide-là. Vous avez vu qu'on a commencé par 700 000. 700 000, j'ai mis 70 millions. Maintenant, imaginons que Regina, à un moment, elle a dit 70 millions, je suis fatigué, je vais passer à 700 millions. Voilà, on passe à 700 millions avec Regina. Suivant les hypothèses ici, pour faire 700 millions, tu as besoin de prévoir un budget annuel maximum. Attends, je recalcule ici. Par mois, tu vas prévoir 745 000 comme publicité.
Et puis par année, si tu fais 9 millions comme publicité par année, tu peux avoir un chiffre d'affaires de 700 millions en fait. Donc, tu n'as pas de problème, Regina, comme tu peux le constater. Tu n'as pas de problème à faire 700 millions. Tu n'as pas de problème à faire 700 milliards. La seule limite, vous allez remarquer, la seule limite, et ça, je le dis, c'est qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que le digital ne suffit plus. Quand vous allez mettre les chiffres, attendez, je vais cacher le commentaire, puis je reviens sur le commentaire. Quand vous allez mettre les chiffres, imaginons, là, on a mis 700 millions, mais imaginons qu'on passe sur 7 milliards. Et vous allez comprendre pourquoi les grandes entreprises, en fait, je suis encore dans 700 millions. Pourquoi les grandes entreprises font d'autres médias? Donc, j'ai mis 7 milliards. Quand je mets 7 milliards, ça me dit que je dois toucher, en fait, par mois, 14 millions de personnes. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, il n'y a que 5 millions de personnes sur Facebook. Donc, je ne peux pas toucher 14 millions de personnes sur Facebook. Il n'y a que 5 millions. Du coup, le digital ne va pas suffire. Je suis obligé maintenant de faire la publicité sur la télé. Je suis obligé de faire la publicité sur la radio. Je suis obligé d'utiliser les mass médias. Donc, voilà l'interaction, en fait, entre le digital et puis les mass médias. Mais en fonction de votre taille, jusqu'à un certain niveau, vous pouvez rester sur le digital. Maintenant, quand vous allez vouloir grandir, vous êtes obligé de sortir du digital parce qu'il n'est pas aujourd'hui le média ultime, en fait, pour vendre. Donc, votre approche va dépendre de votre ambition. Vous comprenez? Et ce que je suis en train de vous dire ici, c'est n'ayez pas peur de voir haut. Celui qui veut faire 7 milliards, c'est possible. Juste que tu vas devoir faire le digital plus autre chose. Et à ce moment-là, ton budget, tu vois, tu as besoin de prévoir, par exemple, 90 millions de francs CFA si tu veux faire 7 milliards. Du coup, ton budget est fonction de ce que tu veux atteindre. Autrement dit, ce que tu mets dans la matrice, ce que tu mets dans la machine, ça ressort en chiffre d'affaires. Donc, pour ceux qui veulent vendre en ligne, je pense que je vous ai donné un gros secret là. Ceux qui veulent aller plus loin, il va falloir, ceux qui sont intéressés par ça, vous devez prendre la formation digitale. Je vais vous donner le lien pour la formation digitale ici, pour que ceux qui sont intéressés puissent la faire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Je n'ai pas besoin que vous me le dites, je sais déjà. Donc, je vais mettre la formation sur le digital et puis on va voir le commentaire de Regina qui a commencé la formation sur le digital. Il y a des personnes qui l'ont faite. Donc, je ne fais pas d'information juste pour le but de faire, chercher à vous vendre quelque chose juste en l'air. Hein. Je prends le soin de faire des trucs qui vont vous donner des résultats, comme vous pouvez le voir. Et puis, avant que je continue, si vous pensez que quelqu'un a encore besoin de cette formation-là, partagez-lui ce lien-là. Si quelqu'un a besoin d'être même dans la vidéo présente, invitez la personne, que la personne vienne. Encore une fois, je vous disais que c'est vraiment une inspiration divine. Je vais dire ça vraiment comme ça, parce que je ne l'avais pas prévu. Mais hier, quand je me suis réveillé, ça sonnait dans mon esprit. Aide les personnes qui vont en ligne. Je dis, OK, je vais les aider. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis là pour vous aider. Et puis, je vais vous aider jusqu'au bout aujourd'hui. Et puis, abonnez-vous à ma page Facebook, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous allez avoir plein de vidéos comme ça gratuites. Ça sera moi, ça ne sera pas toujours moi. J'ai invité plein d'experts qui seront là pour vous entretenir, pour vous apprendre à faire du marketing. Mon désir, c'est que les entreprises africaines puissent se vendre au-delà de leur quartier, au-delà de leur ville, au-delà de leur pays, et puissent se vendre même. Il faut qu'on aille vendre nos produits aux États-Unis, il faut qu'on aille vendre nos produits en France. Il faut qu'on ait des multinationales qui sortent d'Afrique. Et on peut. Si vous avez compris le calcul que je viens de faire, on peut. Il suffit d'avoir la démarche que je suis en train de vous présenter, laquelle j'ai proposée dans ma formation, que je suis en train de vous proposer. Voilà, Regina a fait la formation. Elle a démarré la formation, précisons. Voilà le témoignage qu'elle nous donne. Elle dit que c'est une formation très pointue qui, déjà en milieu de formation, permet d'avoir une ouverture d'esprit et de mieux cerner des volets que jusque-là, j'ignorais. Si vous ne savez pas, Regina, elle est dans la vente en ligne. Et Regina, par exemple, elle a un diplôme d'ingénieur en marketing. Mais ce n'est pas le diplôme. Le diplôme est quelque chose, mais le diplôme ne va pas vous donner ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a aucune école d'ailleurs, en fait, qui va vous donner ce que je suis en train de vous dire. C'est basé sur l'expérience, la pratique, et puis vraiment sur l'expertise, ce que nous vendons chez nous. Voilà, Regina, merci pour le témoignage. Et puis, on continue parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, vous avez vu ce que j'appelle mon multiplicateur de vente. Donc, vous avez compris deux mécanismes. Vous avez compris ce que j'appelle la clientélisation. Donc, il y a ce truc à droite là, comment la clientélisation se forme. Et vous avez compris, au-delà de la clientélisation, vous avez compris comment maintenant travailler, prévoir vos ventes. Donc, ça vous impose de faire au moins l'exercice une fois. Quand vous avez fait l'exercice une fois, vous connaissez vos taux de conversion. Et puis maintenant, votre travail, c'est d'améliorer les taux de conversion. Pour améliorer les taux de conversion, vous allez travailler maintenant votre contenu de persuasion et ça va vous aider.
Après, pour la technique d'achat, on va revenir là-dessus. Ça se passe vraiment sur les plateformes. Maintenant, l'autre chose qu'on va voir, et c'est l'avant-dernière partie. Il faut que je présente à partir d'ici. Voilà. Une minute. Je vais présenter ce tableau-là. Voilà, pendant ce temps, si quelqu'un a une question, il peut poser ses questions. Mais voilà la vente en ligne. Je vais vous montrer le mécanisme de réussite en vente en ligne. Voilà, le mécanisme de réussite en vente en ligne. Et ça, je vais vous l'expliquer de fond en comble. Et j'ai besoin que vous suiviez bien cette partie-là. Donc, pour le mécanisme de vente en ligne, ce que vous allez voir... Voilà comment ça se passe. Voilà le schéma de ceux qui vendent en ligne aujourd'hui. Et je sais que beaucoup vont se retrouver là-dedans. Mon ami qui disait qu'il ne fait que 100 000 francs par mois, voilà en fait ce qui se passe. J'ai mis les niveaux de vendeurs en ligne. Il y a le vendeur débutant, il y a l'intermédiaire, il y a l'avancé, il y a l'expert. Sur le, aujourd'hui, ce qui se passe sur le digital, je vous donne, pour ceux qui n'ont jamais fait des cours vraiment ou des formations en digital, je vous donne ce qu'on appelle, c'est un principe de media buying. Media buying, ça veut dire achat d'espace. En gros, achat de publicité. Parce que c'est valable dans le traditionnel média comme dans le média moderne. Donc, vous avez ce qu'on appelle les owns. En anglais, ça veut dire ce qu'on possède, ce qui nous appartient. Vous avez ce qu'on appelle le paid, ce qu'on paye. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le earned, ce qu'on appelle le earned media. Mike Laboule dit à quel âge peut-on commencer? Tu peux commencer maintenant, il n'y a pas d'âge. Tu peux commencer à vendre quelque chose maintenant, il n'y a pas de règle. Tu peux commencer à vendre tout ce que tu veux. Le débutant en digital, et là même il y a des gens parmi vous qui vont se rendre compte qu'ils ne sont pas débutants, ils sont en-dessous de débutants. Quand vous débutez sur la vente en ligne, prenons le cas de quelqu'un qui vend des mèches, bien des habits ou des chaussures, ou bien quelqu'un qui vend de la formation, ou bien quelqu'un qui vend un service. Je vais prendre l'onglerie. La personne se dit, mais écoutez, je veux vendre mon produit. J'espère que vous voyez, c'est visible. Je vais agrandir un peu, sinon. Je vais agrandir et puis on va regarder les cas. Le débutant se dit, OK, il est sur Facebook. Sur Facebook, il va poster sur son profil. Il va mettre, oh les gars, voilà, je vends des habits commandés. Après, il va mettre dans sa story. Donc, les gens vont voir. Les gens vont aimer quelquefois, ils vont liker et tout. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Facebook limite en fait ce que j'ai appelé votre notoriété, comme je vous ai dit dans le cas précédent. C'est-à-dire, si vous avez 10 000 amis, vous ne pouvez même pas avoir 10 000 amis, c'est 5 000 amis déjà. Quand vous avez 5 000 amis, quand vous postez, il y a moins de 5 000 personnes qui vont voir. Généralement, c'est entre 2% et 4%. Donc, remarquez un peu les gens qui vont aimer votre profil. Donc, si vous avez 5 000 amis, 2% de 5 000, 1% ça fait, pardon, 10% ça fait 500, 1% ça fait 50. D'accord, donc 50 fois 2, ça fait 100. Vous allez voir que généralement, quand vous allez poster sur votre profil, quand c'est un truc qui concerne un article que vous vendez, vous allez avoir 100 likes maximum. Maintenant, si votre article est tellement bon, genre ce que vous vendez ou bien votre service que vous vendez, c'est innovant, c'est remarquable, vous allez voir que les 100 qui ont vu vont commencer à partager. Quand ils vont commencer à partager, à commencer à commenter, ça va rentrer dans leur réseau. Eux, leurs amis vont voir, leurs connaissances vont voir. Mais Facebook va faire de telle sorte que ça ne va jamais atteindre vous, votre plafond. Pour que ça dépasse votre plafond, il faut que ce que vous ayez posté soit vraiment extraordinaire. Mais Facebook est fait, je parle de Facebook, on est sur Facebook le monde. Facebook est fait de telle sorte que vous ne pourrez jamais avoir autant de personnes que vos amis qui voient ce que vous postez. Du coup, quand vous postez, imaginons que vous avez 5 000 amis, que vous avez même le plafond, je vais prendre le meilleur cas, 1 000 personnes ont vu. Quand vous avez 1 000 personnes qui ont vu, vous savez déjà ce que ça implique, combien de personnes vont considérer. Allons même, on est gentil, allons sur la moitié. Sinon, en vérité, quand les gens voient, c'est 1% qui considèrent. Donc, si vous avez 1 000 personnes qui ont vu, généralement, ceux qui vont considérer, ça sera 10 personnes. Donc, 10 personnes, si c'est 10 personnes qui a considéré, généralement, le taux de conversion là, c'est de 10%. Donc, c'est une seule personne qui va acheter après votre poste. Maintenant, quand le poste est bon et que ça a été amplifié, et encore une fois, je vous ai dit, les taux de conversion varient, 1, en fonction de ce que vous vendez, 2, en fonction du prix de ce que vous vendez, et puis 3, en fonction de la pertinence de votre média publicitaire, en fait, de votre communication, de votre message. Si les trois sont bons,
Les taux que j'ai indiqués, vous pouvez avoir plus. C'est-à-dire, vous allez faire un poste, mais vous allez voir que, OK, vous avez bien travaillé. Vous allez avoir 50% qui ont aimé. Donc, il y a 500 personnes qui ont aimé. Et vous allez avoir 10%. Donc, il y a 50 personnes qui ont venu acheter. Mais ceux qui vendent à partir de leur profil Facebook, demandez-leur combien ils vendent. Ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais dépassé les ventes qu'ils font en tout temps. Et vous n'allez jamais dépasser ces ventes-là parce que Facebook plafonne la visibilité. Alors que selon le théorème de la clientélisation, si peu de gens vous connaissent, peu de gens vont vous acheter. Du coup, votre profil, OK, c'est bon, il faut le faire, d'accord. Vous allez mettre en story. La story, là, c'est encore limité parce que vous savez, vous et moi, en story, on n'a jamais des gros chiffres. Quand vous postez en story, ce que j'appelle les stories, c'est les statuts pour la version française. Vous n'allez pas atteindre certains niveaux. Les stories, généralement, même c'est 10% de ce que vous avez sur votre mur personnel. Maintenant, ceux qui sont encore débutants, et ça, c'est les meilleurs débutants, parce que j'aurais dû mettre même les débutants de débutants. Sinon, ceux qui sont débutants à ce niveau, il y a des gens qui vont commencer à créer des pages de vente. La page, là, c'est l'outil mortel de Facebook. Ils l'ont fait justement pour que vous payiez. Quand vous postez sur votre page, là-bas, c'est vraiment appliqué. Remarquez les likes que vous avez sur votre page quand vous ne sponsorisez pas. Vous avez 2 likes, 3 likes, 1 like, 10 likes. Sauf le jour où vous faites quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est là que vous allez avoir beaucoup de personnes, par exemple. Donc ça sera sur votre page. La page, elle est professionnelle, elle est faite pour vendre, mais Facebook a limité encore. Maintenant, vous pouvez aller plus loin. Vous allez poster sur les stories de votre page. Story de votre page, même, c'est encore petit. Ça ne va pas vous apporter beaucoup. Ceux qui sont encore plus forts vont aller dans Instagram. Ils vont poster sur leur profil Instagram. Ils vont poster dans leur story en statut Instagram. Là, je suis en parler du débutant. Hein, et je remarque qu'il y a certains parmi vous-même qui ne font même pas ça. C'est-à-dire qu'eux font juste sur leur mur Facebook et puis ils ont fini. Mais il y a le mur. Tu peux commencer le mur. Si tu faisais que le mur seulement, ajoute maintenant ton statut. Crée une page. Poste dans ta page. Mais la page, ne la crée pas pour la créer. Il faut ajouter des personnes à ta page. Story de page, il faut faire aussi, il faut poster là-bas. Mais il faut ajouter des personnes à ta page. Parce qu'une page sans fans ou sans followers ne va rien te donner. Et même les followers, ça ne crée pas les ventes. Il faut que vous sachiez. Il y a des gens qui font tout leur palabre pour avoir des followers. Ils veulent avoir 10 000, 15 000, 30 000 followers. Mais les followers, ça ne veut pas dire qu'ils achètent vos produits. Ça, vous devez le savoir. Ils peuvent vous aimer juste et puis c'est fini. Ils ne vont jamais acheter vos produits. La plupart du temps, vos followers, ce sont vos amis. Mais vos amis n'achètent. Ils achètent que très peu vos produits. Donc, il y en a même qui n'ont même pas de page parmi vous. Il y en a même qui n'ont même pas Instagram ou qui ne postent même pas sur leur profil et leur story. Donc, vous êtes au niveau débutant. Commencez par ça. Après, les plus forts aujourd'hui vont faire Snap. Ils vont avoir un compte Snap. Ils vont poster sur Snap. Mais Snap, vous savez que vous pouvez toucher une cible jusqu'à 30 ans. Au-delà de 30 ans, si votre produit concerne les plus de 30 ans, ce n'est pas très recommandé. Après, il y en a qui vont aller... Il y en a qui vont aller jusqu'à WhatsApp. WhatsApp, ils vont faire sur leur WhatsApp personnel. Ils vont poster, ils vont envoyer à leurs amis, ils vont envoyer dans les inbox des gens ou bien ils vont mettre en statut. Il y en a qui vont plus loin. Ils créent ce qu'on appelle WhatsApp Business. Donc, WhatsApp Business, pour ceux qui n'utilisent pas, il est bien meilleur que WhatsApp. Il vous donne pas mal d'options. Il vous permet d'automatiser même la discussion et tout ça. Mais ça, pour un débutant, ce n'est pas évident. Il va utiliser juste pour pouvoir répondre de manière professionnelle à certains et puis il va faire ses stories dans sa page. Donc, on a fini avec le débutant. Il a fini là. Vous allez voir que ce gars ou cette go, en fonction de ce qu'elle vend ou en fonction de ce qu'il vend, il va atteindre un plafond. Il ne pourra jamais dépasser. Il peut vendre 200 000 francs par mois maximum. Ou bien, il va vendre 300 000 francs par mois maximum. Mais chaque mois, c'est la même chose parce qu'il ne fait que ça. Maintenant, l'intermédiaire, lui, il va aller plus loin. Il va utiliser tout ce que j'ai cité là, mais il va mettre maintenant TikTok, par exemple. Il va poster sur son compte ou son profil personnel. Là-bas, c'est facile de transformer en profil professionnel. Mais pour le moment, TikTok est naissant. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas pour faire de la pub. Mais là où il va faire la différence, il va commencer à faire la publicité sur Facebook et Instagram. Donc, là, il va commencer à payer de la publicité. Donc, je ne sais pas si des gens ont déjà vu l'outil de gestion de publicité de Facebook. Mais tout le monde, dès que vous avez un compte Facebook, vous avez un truc publicitaire. Donc, je vais montrer comment accéder à ça pour ceux qui n'ont jamais fait. La publicité qu'il ne faut pas faire sur Facebook, quand vous voyez en dessous de votre post booster, ne boostez pas. C'est la pire manière de faire de la publicité. Vous n'êtes pas efficace quand vous faites comme ça. Vous n'êtes pas efficace. Utilisez le gestionnaire de publicité de Facebook. Donc, ça, je vais vous montrer mon écran et puis vous allez voir ce qu'on appelle. Pour ceux qui n'ont jamais vu,
le gestionnaire de pub. Donc, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu. Les connaisseurs, excusez-nous, on le fait pour ceux qui n'ont jamais vu. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu, voilà le gestionnaire de publicité de Facebook. Voilà comment ça se présente. Donc, je vais prendre un de mes comptes. Je ne suis pas sur mon bon compte publicitaire. Bon, allons-y, on va imaginer que je vais créer une publicité ici. Donc, si je fais créer une publicité, vous allez voir. Donc, je vais mettre mon objectif de campagne. Donc, là, les objectifs, ce qu'on veut faire. Si on veut que les gens visitent notre site web, si on veut faire des ventes, vous allez mettre l'objectif, vous allez définir l'audience. Donc, je suis obligé de sélectionner quelque chose pour activer là-bas. Vous allez définir l'audience, donc les personnes à qui vous voulez parler. C'est de cela que je parlais tout à l'heure quand je disais qu'il va falloir, en fonction des critères que vous allez mettre. Par exemple, je peux choisir les personnes, les femmes qui ont des enfants de moins de 5 ans. C'est ici qu'on va les choisir et puis on va pouvoir vendre des produits, par exemple, pour enfants. Ou bien si je cible des mecs qui ont des ados, si je cible des gens qui ont fait l'INPHB ou qui ont fait l'université de, je ne sais pas, le poste d'Assengo de Dakar. Donc, c'est ici que vous pouvez personnaliser votre audience. Après, vous définissez votre budget, votre calendrier là. Et puis, vous choisissez la publicité que vous voulez faire. Vous allez parler du contenu. Donc, comme je disais, le contenu de persuasion. Et puis, à la fin, voilà, vous lancez votre publicité. Donc, ça lance votre publicité. C'est ce qui va vous permettre de toucher plusieurs personnes. Donc, pour ce qui concerne Facebook, c'est ce que je voulais présenter. Et puis, je pense qu'on va partir sur... On va partir sur l'autre média. Voilà. On revient sur notre tableau. Voilà. Donc, sur notre tableau, ce qu'on est en train de voir, donc, ils vont faire de la publicité, ces personnes-là. Et l'utilité de publicité sur Facebook, il vous permet de faire la publicité en même temps sur Instagram. Donc, ça, c'est le niveau intermédiaire. La personne commence à faire de la publicité. Malheureusement, quand la personne commence à faire des publicités, la personne commence à faire des publicités sur directement en boostant. Ne boostez pas. Quand vous avez une page, ne boostez pas. C'est la pire chose. Utilisez le gestionnaire de publicité. Après, Facebook, facebook.com/ads manager et vous êtes bon. Le vendeur en ligne avancé, lui, il va faire tout ça. Il va faire Facebook. Il peut payer de la publicité sur Facebook, Instagram. Mais il va ajouter, par exemple, de la publicité payée sur Snap, sur YouTube. Il va faire ce qu'on appelle GDN. Donc, il va utiliser le réseau de Google. Vous voyez, souvent, vous êtes dans les applications, ceux qui ont les Android, et puis vous voyez de la publicité dans vos applications. Vous allez voir dans vos applications des publicités. C'est à partir de GDN, sur tout ce qui est lié à YouTube. Donc, ce gars, l'utilisateur avancé, va faire des publicités par là. Donc, il y a des plateformes qui font des publicités sur Google. Et puis, il va aller à un niveau supérieur. Parce que le principe, je vous ai rappelé depuis le début, c'est de toucher beaucoup de gens. Donc, il a fait la publicité. Il a posté naturellement dans la première partie, ce qu'on appelle le owned, ce qui vous appartient. Il a posté naturellement sur tous ses profils, Facebook, Instagram, Snap, WhatsApp, YouTube. Il a posté partout. Il faut que je mette ici YouTube pour l'avancer. Et puis, voilà. Il a posté partout ce qu'il veut faire et il a ajouté à cela de la publicité payée ou payante. Donc, il a payé, mais il va aller au troisième niveau. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le earned media. C'est d'utiliser en fait des données qui existent. Donc, quand lui fait la publicité et vous avez quelquefois du earned media, tous les gens qui vous contactent, enregistrez leur contact, enregistrez leur nom, enregistrez leurs emails, enregistrez tout. Ça va vous permettre de constituer une base de données. L'utilisateur avancé a une base de données qui peut mettre quelquefois dans ce qu'on appelle un CRM. Ce sont des logiciels qui permettent de gérer en fait les prospects, les clients, bref, même les suspects, tous ceux qui se sont approchés de nous. Et puis après ça, donc il a sa base de données, mais ça n'arrête pas là. Dans l'esprit avancé, il fait ce qu'on appelle, il met des pixels. Les pixels, c'est un peu comme des... Comment j'ai traduit ça en langage commun? C'est un peu comme des... Je dis, c'est un enregistreur. Il enregistre, par exemple, tous ceux qui passent, qui visitent votre site web. Donc, le pixel, généralement, il faut que j'ai oublié de le mettre là, il va forcément avec un site web. Donc, celui qui fait de la vente en ligne avancée, il a un site web. Et sur le site web, il met des pixels. Donc, le pixel enregistre tous ceux qui viennent sur le site web. Après, ça vous aide à faire quoi? Si quelqu'un est venu sur votre site web, il a cliqué sur un produit et puis il n'a pas acheté, vous pouvez après faire ce qu'on a mis ici, le retargeting. Vous pouvez lui présenter le produit plusieurs fois jusqu'à ce qu'il achète.
Il y a une règle en marketing qui dit que la personne va acheter le produit quand elle a vu 3 fois au moins. Du coup, vous allez voir, quand vous utilisez Jumia, vous avez remarqué, quand vous cliquez sur un article ou bien les plateformes en ligne, quand vous faites semblant d'acheter un article, vous allez voir que cet article va vous poursuivre toute votre vie. Il sera dans votre email, il sera dans votre boîte, il sera dans vos applications, il sera partout où vous passez, vous voyez l'article. En fait, c'est du retargeting qui permet de faire ça. Mais ça, c'est les utilisateurs avancés qui permettent de faire ça. Et ça vous permet d'insister, en fait. Ça, ça vous aide à convertir ceux qui se sont arrêtés à la considération. C'est-à-dire, vous ont considéré, si vous rappelez le schéma initial, vous ont considéré, mais ils ne vous ont pas acheté. Maintenant, au-delà du retargeting, à un moment, quand vous êtes avancé, vous allez faire ce qu'on appelle des look-alike, des audiences similaires. Vous êtes capable de dire à toutes ces plateformes que j'ai citées où on fait de la pub, que ce soit Snapchat, Instagram, Facebook, que ce soit même YouTube, ou que ce soit de la programmatique, que ce soit Google Network, toutes ces choses-là, mais s'il le faut, pour la traduction en français, c'est un marqueur. Donc, j'essaie de le mettre en langage commun. En langage commun, retenez que c'est un enregistreur. Il enregistre, en fait. Il enregistre tous ceux qui viennent sur votre page. Donc, je disais que vous allez faire ce qu'on appelle des look-alike ou des audiences similaires. Donc, à ce moment-là, vous êtes capable de dire à Facebook, tu vois, ce mois, j'ai eu 1000 clients. Je veux que tu repartes dans ton système, donc dans Facebook, et tu cherches des personnes qui ressemblent à ces 1000 clients. Facebook va vous trouver des personnes qui ont le profil similaire, de sorte que eux, quand ils viennent, c'est plus facile, ils sont déjà prêts, ils sont déjà chauds pour l'achat parce qu'ils ont le profil des personnes qui vous ressemblent. La difficulté, c'est de trouver d'abord des personnes qui ressemblent à vos acheteurs. Quand vous avez eu un premier pool d'acheteurs, quand vous avez un premier pool d'acheteurs, vous êtes capable maintenant d'aller retravailler et dire aux plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Google ou bien les programmatiques que vous allez utiliser, Eskimi, j'ai mis ici, vous êtes capable de leur dire, mais allez me chercher des personnes qui leur ressemblent. À ce moment-là, vous allez voir que votre budget commence à être optimisé. Pourquoi? Parce que quand vous partez directement vers des gens qui ressemblent à vos acheteurs, vous allez voir que quand ils vont venir, ils vont naturellement être convertis plus facilement et vos taux de conversion vont s'améliorer. C'est un moyen d'améliorer les taux de conversion. Et puis maintenant, l'utilisateur, je vais l'appeler l'expert, l'ultime, ce qu'il va faire, quand il a fini tout ça, lui va ajouter les influenceurs là-dessus. C'est-à-dire, lui, il a fini la publicité payée. Maintenant, il va travailler avec des influenceurs. Il va prendre Emma Loès, il va prendre, il y a qui encore qu'on connaît, tous ces noms-là. Il peut prendre Beyoncé. Beyoncé fait la publicité de tel produit pour moi. Beyoncé va faire la publicité. Regardez quand Beyoncé fait la publicité de, je crois que c'est Adidas. Regardez les ventes qui suivent après. Regardez une petite influence, mais hasardeuse de Adidas. Lorsqu'en Côte d'Ivoire, il y a eu la photo du président Laurent Gbagbo qui était sorti de prison et qui partait à l'hôpital, qui avait porté cette chaussure Adidas. Regardez l'effet que ça a eu. Vous allez voir, les ventes d'Adidas ont eu un pic ce jour-là. Donc, les influenceurs aussi contribuent, en fait, à la conversion, à avoir des clients. Maintenant, tout ce que j'ai expliqué, c'est très technique parce que je sais que j'ai dépassé le niveau de beaucoup. Donc, ce que je veux vous dire, vous pouvez être débutant. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que je veux vous ouvrir les yeux. Vous êtes loin d'être des experts, la plupart d'entre vous, et j'ose le dire. Vous êtes débutant. Vous devez apprendre à passer à intermédiaire. Même débutant, il y en a qui ne sont pas à ce niveau. Apprenez à devenir débutant. Déjà, apprenez à faire tout ce que j'ai mis dans débutant ici. Apprenez à faire ça. Ça va vous donner un avantage. Après, vous pouvez passer à intermédiaire. Donc, quand vous devenez intermédiaire déjà avec le paid media, quand vous allez faire de la publicité payante, là, on revient au tableau que je vous ai montré. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à définir les objectifs que vous voulez dans le tableau que je vous ai montré. Et vous allez avoir les ventes que vous voulez avoir. Vous allez commencer à avoir de gros chiffres. Maintenant, si ce chiffre-là ne vous plaît pas et que vous voulez multiplier, vous allez commencer à multiplier les plateformes. C'est-à-dire, vous allez sortir juste de Facebook et Instagram. Vous allez commencer à ajouter Snap, YouTube. Vous allez commencer à ajouter de la programmatique. Vous allez commencer à ajouter Google. Mais en vérité, à un niveau intermédiaire déjà. Parce que le public que je cible aujourd'hui, je sais que je parle généralement des débutants ou des intermédiaires pas très poussés. À un niveau intermédiaire déjà, vous pouvez commencer à multiplier vos ventes. Si vous comprenez que, il faut au-delà de la transaction, venir vendre as and when, il faut avoir une marque que vous construisez. Il faut avoir un contenu de qualité, un contenu de persuasion. Vous pouvez déjà améliorer vos ventes parce que vous allez améliorer vos taux en fait de notoriété, vos taux de conversion. Donc, première chose, c'est vraiment ça, niveau intermédiaire, vous allez vraiment apprendre à améliorer le contenu.
Deuxième chose que vous allez apprendre au niveau intermédiaire déjà qui va vous faire faire la différence, c'est d'utiliser les plateformes publicitaires. Si vous avez maîtrisé Facebook, vous pouvez faire le reste parce que tout ressemble à Facebook. Si vous avez fait la publicité sur Facebook, vous pourrez Facebook et Instagram vont ensemble. Vous pourrez faire la publicité sur Snapchat, c'est pareil. Vous pourrez faire la publicité sur qu'est-ce que je veux dire? Sur Snapchat, donc vous avez et LinkedIn. Vous pouvez faire LinkedIn. Je n'ai pas mis LinkedIn ici parce que généralement, ceux qui font la vente en ligne que j'ai ciblé, ce n'est pas forcément des gens qui travaillent sur LinkedIn. Mais vous pouvez faire LinkedIn. Quand vous maîtrisez Facebook, vous pouvez faire LinkedIn, vous pouvez faire Snapchat, vous pouvez faire les autres plateformes. Après, ça, c'est tellement intuitif qu'après ça, même si vous tombez sur Google, vous faites du Google AdWords, vous pourrez le faire. Ne vous pressez pas pour aller faire Google. Ça demande beaucoup de choses. Commencez par Facebook, maîtrisez bien. Facebook, je vous ai montré, c'est pourquoi je vous ai montré les slides en début. C'est la plus grande plateforme. Vous avez, pour les pays d'Afrique, vous pouvez voir sur Internet le nombre de personnes qu'il y a sur Facebook dans votre pays. Commencez à vendre là-bas. Maintenant, si vous voyez que vous voulez dépasser les 5 millions de personnes qui sont sur Facebook par rapport à votre pays, vous pouvez maintenant ajouter ce qui est Google parce que ça vous permet d'aller au prochain niveau. Vous pouvez ajouter des cibles qui sont peut-être très spécifiques, qui sont sur TikTok. Après, vous pouvez continuer d'avancer. Et ce que vous devez apprendre à faire maintenant, quand vous savez utiliser les pubs, vous allez apprendre maintenant à utiliser, vous allez créer un site web. Vous n'êtes pas obligé de créer un site web là, maintenant. Ça va vous amener beaucoup de complications. Voilà pourquoi j'ai présenté par niveau. Mais quand vous créez un site web, vous pouvez déjà commencer à faire une différence avec ce qui est du retargeting ou bien aller vers des audiences similaires. Quand vous arrivez là, au quatrième niveau, vous apprenez à travailler avec les influenceurs. Et là, vous êtes un expert en digital. Vous êtes un expert en vente en ligne. Donc, moi, mon but, c'est de vous aider à être des experts en vente en ligne. Comme je sais que la plupart sont au niveau débutant, le cours que j'ai appelé le marketing digital, comment ça marche, c'est de vous aider à arriver rapidement à un niveau d'intermédiaire. Donc, si vous prenez ce cours-là, ce cours, je vous l'ai dit, il est à 99 000, mais je le fais en promotion en ce moment. Ce cours, je le fais en promotion en ce moment à moitié prix, donc à 49 900. Ceux qui sont intéressés, allez vous inscrire en même temps. N'attendez pas. Allez vous inscrire en même temps parce que à la fin de ce mois, je reprends le prix normal et puis de 100 000 francs. Mais ça va vous aider à arriver à un niveau intermédiaire et le niveau intermédiaire va vous aider justement à pouvoir placer, à déjà multiplier les ventes. Dans le niveau intermédiaire, donc j'ai traité clairement comment faire du contenu, comment faire d'abord sa stratégie parce que tout est stratégie. Tout ce que je vous explique aujourd'hui, c'est de la stratégie. C'est la stratégie. Tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est de la stratégie. Vous pourrez faire de la stratégie. Vous pourrez faire de la stratégie de contenu. Vous pourrez faire... qu'est-ce que je n'ai pas touché? Vous allez faire de la stratégie marketing. Vous allez faire de la stratégie de contenu. Vous allez créer votre contenu pour entretenir votre audience, pour éviter de chaque fois dépenser beaucoup. Parce que quand vous entretenez l'audience, vous évitez littéralement de dépenser beaucoup à chaque fois. Et puis, au-delà de ça... j'apprends concrètement comment utiliser Facebook, Instagram et puis LinkedIn dans cette formation avec des astuces clés, des astuces qui vont vous permettre de gagner. J'ai vu tout à l'heure que mon ami Lefo est dans ce qu'on est en train de faire, dans cette formation. Lefo, tu peux nous donner ton expérience sur la formation digitale parce que tu l'as faite. Tu peux écrire en fait ton expérience. Et puis, pendant qu'il écrit son expérience, moi, je colle ici le lien. Marketing digital, comment ça marche, les gars? Allez vous inscrire là-dessus, payez aujourd'hui même, démarrez la formation, ça va changer votre vie, ça va changer votre histoire. Maintenant, on va vers la fin de ce module-là et puis je vous donne déjà rendez-vous pour jeudi. Donc, je vais terminer avec les slides suivantes. Restez en ligne, ne bougez pas, j'ai des choses encore à vous dire. Ne bougez pas, il y a plein de choses encore à voir. Je pense que d'ici jusque là, je pense que j'ai été plutôt clair. Je pense que j'ai des personnes qui sont plutôt satisfaites, n'est-ce pas? On a parlé vraiment, j'ai parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'avais promis, comme on dit, casser les papous. J'en ai cassé pas mal. OK, la présentation est en train de durer. Donc, je vais prendre ici mon ordinateur. C'est planté un moment. Donc, je vais prendre ici. Je suis toujours là. Hein. Voilà, je suis en train de prendre un fichier.
que je vais vous présenter. C'est celui-là. Voilà. Voilà, je suis toujours là. Donc, on a vu ces éléments-là et on va vers la fin de notre module. Donc, voilà. Donc, l'offre, c'est celle-là. Je vous l'ai présentée. Je vais vous apprendre à mettre en place une vraie stratégie marketing et une vraie stratégie digitale. Je vais vous parler comment créer du contenu de marque. Et je vais même au-delà du digital. Pour ceux qui veulent gérer des marques, qui ne cherchent pas juste à vendre en ligne, je vous montre les techniques pour optimiser la publicité sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vous donne des secrets pour optimiser votre budget, pour avoir un bon retour sur investissement, parce qu'il ne s'agit pas juste de payer. Et puis, je vous donne un fichier qui est prêt, comme les fichiers que je vous ai montrés, qui vous permettront de faire votre plan d'action facilement. Maintenant, c'est les témoignages, mais il y a une partie que je n'ai pas adressée dans cette formation. C'est comment créer donc du contenu de pointe. Et ça, vous pouvez participer au jeudi du marketing de la semaine prochaine. Le jeudi du marketing, on va parler de cela. On va parler de cela en long et en large. On va parler de cela en long et en large. Et puis, ça va vous aider. Voilà, donc, voilà, j'ai mes partenaires qui sont là. Neville, je vois que tu as fait un commentaire. Il n'est pas très précis, si tu peux préciser ton commentaire. OK, donc j'ai quelques commentaires très intéressants, très chics. Merci, Kader. Kader, c'est un ami de grande date, depuis plus de 10 ans. Et puis aujourd'hui, il fait partie de. Vous savez, Will Expert Marketing, ce n'est plus moi seul. Nous sommes maintenant 12. Kader fait partie de l'équipe des 12. Kader, c'est un chef en business development. Bientôt, vous allez le voir aussi dans notre plateforme. Kader va donner des formations. Il va former, il va vous montrer comment aussi déployer, multiplier vos ventes. Voilà, j'ai un commentaire de Ange Pacominda. Il me dit très, très bon formateur. Merci pour le compliment. Tu m'envoies ravi. L'Efo qui parle de la formation du digital, il a fait la formation. On a même traité un cas pour lui. Il dit que le contenu est très riche parce qu'il provient d'une expérience bien bâtie. Kader dit, j'ai cassé les papots. Oui, comme on le dit chez nous, j'ai cassé les papots. Il faut que les gens vendent et ils vendent bien en ligne. Il ne faut pas qu'ils vendent juste au hasard. Maintenant, ici, j'ai Venceslas qui me dit, merci, première fois que je suis en cours de marketing digital et pour un profane que je suis frappé par la clarté. Ça, c'est la force du groupe qu'on appelle Will Expert Marketing. Donc, moi et l'équipe des 12 gars, enfin, moi et les 11 gars, donc nous, les 12, nous, ce qu'on prône, c'est la clarté, c'est vraiment ce qu'on prône. L'Efo dit, voilà, l'Efo, merci pour ces témoignages. J'aime ce genre de témoignages-là. Il dit, ce sont les informations que nous n'avons pas dans les formations classiques école. Ça, c'est vraiment ce qu'on donne. On va vous donner la pratique vraiment de façon très claire. Cédric était dans la formation aussi. Il dit, ah, super formation, le marketing digital, comment ça marche? Je vous invite à participer. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui ont participé à cette formation. Je vous ai collé le lien. Allez vous inscrire en même temps. Calvin Lévy dit c'est édifiant. Bien sûr, mon but, c'est de vous permettre d'être édifié et puis surtout permettre d'avoir des résultats dans vos vies. Donc, les témoignages, je vous ai dit, je vous ai présenté, pour ceux qui étaient là dès le début, je vous ai présenté ces témoignages-là. Donc, il y a cette dame-là qui dit qu'elle voulait faire juste 300 personnes sur chaque page. Maintenant, elle a 1600, elle a 800, elle a multiplié son chiffre d'affaires en seulement 4 jours. Elle dit qu'elle n'a même pas encore fini les cours. Elle parle de la formation sur le digital. Arisi Kays dit que c'est une promo, ils sont à 500 000, 50 000. Elle dit, tes 50 000 francs, tu vas retirer, tu vas avoir un bénéfice de plus de 1000%. Je vous ai montré tout à l'heure un taux de rentabilité de 7 745%. Et puis elle dit, tu connais, tu sais bien combien de fois je suis assez sceptique par rapport aux formations en ligne. Donc, c'est une personne qui était sceptique par rapport aux formations en ligne. Et elle dit, et puis, tu as droit à un coaching personnalisé. Donc, après ta formation, tu as 2 semaines où tu peux me parler directement. Tu fais le plan, tu m'envoies, je traite ton plan avec toi. Je t'aide à avoir un plan qui va t'aider à multiplier tes ventes. Et puis elle dit, pour juste 50 000 francs, aïe, ça, ce n'est pas la grâce, ça. Et cette dame-là, aujourd'hui, elle est heureuse et elle vise un chiffre d'affaires de 20 millions, entre autres. Non, plus même, elle vise loin. Et puis ça, c'est quelqu'un qui est dans le marketing qui m'a dit, écoute, c'était bien la formation, j'ai enrichi mes connaissances. J'avais une vue générale du marketing digital, de l'aspect en pub. Là, j'apprends. Et puis là, j'ai quelqu'un qui dit, je crois que le marketing dit, OK, on va tout lire. Depuis l'élaboration de la stratégie jusqu'à la création du contenu et surtout le budget, il y a une très grande différence de ce que j'avais appris là. Je crois que le marketing digital qu'on nous avait présenté était très différent. C'était focus sur la vente
Et même sans sponsoring, car pour certains, le digital est gratuit. Et même les agences de com naissantes veulent des clients sans toutefois tenir compte de la stratégie qui, hélas, même n'ont pas élaboré de stratégie. Enfin, il s'est un peu mélangé. Il dit, il n'y a aucun objectif, il n'y a aucun budget, mais ils veulent progresser. Et il dit, j'ai eu pas mal de formations avec certains grands de la toile qui se disent experts, rire. Mais je n'ai pas cette approche que vous faites. Je me rends compte que les stratégies, hélas, que j'avais faites sont vraiment insuffisantes. Et je me rends compte que votre méthode de la construction de la stratégie et de l'activation marche bien également pour l'événementiel. Voilà. Donc, en gros, je pense que les témoignages parlent d'eux-mêmes. Moi, je vous invite juste à faire cette formation. Au lieu de 99 000, je vous l'ai fait à 49 900. C'est à moitié prix. Je vous encourage à participer à la formation. Vous avez eu des gars qui ont participé, qui ont témoigné, qui sont là, qui ont mentionné. Voilà. Neville dit, il a remarqué que depuis un moment, le sponsoring publicité en ligne sur Twitter n'est plus disponible. Merci pour la contribution. C'est une information qu'il donne. Voilà pourquoi il dit, il voudrait savoir pourquoi Twitter a changé son algorithme. Bon, Neville, Twitter change toujours son algorithme. Ce n'est pas que Twitter, c'est Facebook aussi. Tu sais, avant, quand je postais, par exemple, sur Facebook, moi, j'avais facilement 6 000 vues. Maintenant, quand je poste sur Facebook, pour avoir 2 000 vues, c'est compliqué. Il change parce qu'il veut que vous payiez, en fait, à la fin de la journée. Il change parce qu'il veut que vous payiez, en fait, à la fin. Donc, vous devez vous assurer que vous comprenez comment l'algorithme évolue. Après, les techniques, la meilleure technique pour dribbler les algorithmes, c'est d'avoir du bon contenu. Parce que quand vous avez du bon contenu, les gens partagent. Et je pense que cette vidéo, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce direct, vous avez vu comment les gens ont partagé, vous avez vu comment les gens, vous avez vu combien de gens sont venus. Ce n'est pas encore beaucoup, moi je ne me plains pas, mais je sais que ça va venir, les gens vont venir. Arrivé un moment, on fera des directs où on sera 1000, on fera des directs où on sera 5000, on fera des directs où on sera 10 000, on fera des directs où on sera 100 000. Parce que ce que je donne, je sais que c'est unique. Voilà, je sais, parce que j'ai été de l'autre côté où je cherchais moi-même des formations uniques pour le faire. Jean Zouzou, qui est aussi, qui fait partie de l'armée des 12, moi je vais les appeler les 12 mousquetaires du marketing, mais il dit très, très pragmatique, grâce à une formation de l'expert Will, j'ai décroché mon premier poste, une formation dispensée gratuitement aux étudiants que nous étions à l'époque, et cette formation portait sur le marketing, le vrai marketing pratiqué en entreprise et non les définitions qu'on apprenait sur les bancs. Voilà, donc Zouzou aujourd'hui, c'est un expert en trade marketing. Et même maintenant, il fait même du brand management, il gère des marques. Et voyez le témoignage qu'il donne. Grâce à moi, il a pu faire et puis avoir son premier emploi. Donc, voilà, je vous invite à faire mes formations. Et puis, je prends le dernier commentaire de Jonathan qui dit, « Depuis que je suis vos vidéos, je ne suis pas n'importe qui. » Oui, tu n'es pas n'importe qui. Il dit, « Vraiment, c'est top et pertinent comme formation. Même si je suis assez fatigué, je me connecte toujours pour être à la page. Présentement, je travaille, mais je suis connecté pour suivre vos sessions. » Et puis, voilà, Neville dit, voilà. Et David dit aussi, toujours satisfait de cette connaissance. Après, vous avez, la formation coûte 100 000 francs, donc 99 000 francs, précisément CFA. Ça fait 150 euros. Mais en ce moment, je suis à moitié prix. Donc, je la fais à 75 euros, soit à peu près 49 900. J'ai collé le lien tout à l'heure si vous voulez avoir accès à la formation. Voilà, ou vous partez simplement sur ma page. Vous partez simplement sur ma page, vous tapez willexpertmarketing.com et puis vous regardez, il y a un menu formation disponible. J'ai remarqué un petit problème technique sur la manière dont ma page se présente, ça sera corrigé, mais vous pouvez toujours, vous partez sur mon site. J'ai remarqué un problème technique ce matin, je vais corriger ce problème, mais déjà vous pouvez librement vous abonner. Voilà les gars, merci beaucoup, merci à tout le monde, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'était pas évident. J'ai voulu faire une heure, mais je pense qu'il y avait trop à dire. On a fait deux heures. Je pense que les deux heures étaient utiles. Je vois que certains qui sont restés jusqu'à la fin. Je pense que certains ont appris beaucoup. La vidéo reste disponible là sur YouTube. Maintenant, je suis en train de transférer mes vidéos sur YouTube. Donc, ma vidéo sera disponible sur YouTube. Donc, allez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à cette chaîne. Mettez les rappels pour que chaque fois qu'il y a un direct, vous soyez avertis. Et puis, pour le document écrit de la formation, il faut intégrer le groupe privé. Donc, vous regardez sur ma page, il y aura un lien pour intégrer le groupe privé. Quand je parle de ma page, je parle de ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est Will Expert Marketing, Wilfried Crément, Expert Marketing Stratégie et Digital. Vous allez sur cette page-là
Et puis, vous cliquez pour entrer. Vous allez suivre le process. Il y a un process à suivre pour entrer dans le groupe, pour pouvoir avoir le document. Voilà, je donne des choses gratuites aux gens qui font des efforts. Comme Jonathan l'a dit, faites un effort pour être disponible. Donc, faites un effort pour suivre le process pour entrer dans le truc, dans le groupe. Et puis, vous aurez accès à la formation. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Cette inspiration du samedi, elle m'est venue juste hier. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé et surtout continuez de partager parce que je sais que ça va aider tous ceux qui vendent en ligne, qui se disent vendeurs en ligne. Et je vous ai montré qu'il y a des débutants, il y a des intermédiaires, il y a des avancés, il y a des experts. Le but, c'est que tout le monde arrive à l'expertise et nous, on est là pour vous aider justement à arriver à l'expertise. Commencez avec la formation poussée pour les intermédiaires avec moi. Si vous avez déjà dépassé le niveau intermédiaire, je lance dans quelques mois, je crois dans 2 mois, je vais lancer la formation pour le niveau supérieur, qui sera le niveau où on va créer un site web. Là, je vais apprendre à créer un site web. Je vais vous apprendre à faire de la pixelisation. Je vais vous apprendre à faire du retargeting. Je vais vous apprendre à faire des audiences similaires. Mais ça, c'est prévu pour septembre. Prions que nous soyons encore en vie. Et puis, prions qu'on puisse arriver là. Et puis, après, ceux qui vont faire le niveau avancé, on va faire le niveau expert. Et puis, voilà. Donc, Regina me dit, merci pour la formation. 2 heures passées sans qu'on le sente. Elle dit merci pour mon exemple. Je t'en prie pour ton exemple. C'était un bon exemple. Et tu as vu que tu peux faire 7 milliards de chiffre d'affaires, tu peux faire 700 millions. C'est à toi de définir ce que tu veux avoir, en fait. Écoutez, quand vous partez ce soir, changez vos objectifs, augmentez-les. Ceux qui faisaient 100 000 francs, mon ami qui disait au début, faisait 100 000 francs, change-le. Passe à 200 000. Vois comment, déjà dans la matrice de débutant, vois ce que tu ne faisais pas. Comment ça fait? Si tu vois que tu arrives à un niveau, tu es bloqué. Maintenant, tu es obligé d'aller dans la matrice intermédiaire. Comment ça fait de la publicité payante? Maintenant, quand tu vois que tu es bloqué, va encore dans le niveau supérieur, commence à créer ton site web, commence à faire du Google Ads, commence à mettre du pixel, du retargeting, du remarketing. Mais déjà, avec le niveau intermédiaire, je vous promets que vous pourrez multiplier les ventes. Voilà. Et oui, merci beaucoup pour tous ceux qui aiment. Merci, Olivier. Olivier qui dit j'aime. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, je vous demande, la seule chose que je vous demande, la manière dont vous pouvez me rémunérer, c'est déjà de partager, même quand ça sera fini, venez sur ma page, copiez le lien, partagez dans tous les groupes où vous êtes, tous ceux qui font la vente en ligne, envoyez-leur ce message. Et puis, voilà, pour ceux qui veulent aller loin, vous venez dans la formation, je la colle encore, c'est la formation sur le digital, marketing digital, comment ça marche. Vous partez sur mon site, willexpertmarketing.com, vous partez dans le menu formation disponible, vous cliquez sur marketing digital, comment ça marche. Vous inscrivez et puis on va s'occuper de vous vraiment de très bonne manière. Vous serez satisfait. Si ce gratuit-là déjà vous a satisfait, imaginez la formation poussée, ce que ce sera. Et puis pour ceux qui aiment les gratuits et que les gratuits, il y a toujours des gratuits. Le jeudi prochain, je serai avec un expert qui est dans la communication. On va parler du marketing de contenu. Donc, d'ici la fin, d'ici le début de la semaine, vous allez voir la publicité sur ma page pour que vous puissiez venir apprendre à faire du contenu. Et donc, même là, quand vous allez voir la publicité, pour me rémunérer, faites la même chose. Partagez. C'est la seule chose que moi, je vous demande. Je vous demande sincèrement, partagez, invitez les gens à faire connaître. Et naturellement, comme je vous ai informé, vous comprenez que c'est aussi ma stratégie pour amplifier ma notoriété. Mais c'est important et je le fais vraiment avec une technique qui est la technique du contenu. Donc, venez apprendre cette technique du contenu-là. Venez l'apprendre avec nous. Mais écoutez, je pense que vous n'allez pas être déçus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez au contraire aimer dans cette formation-là. Donc, voilà le truc sur le contenu. Bon, ça, je ne vais pas vous présenter, mais c'est l'expert en question. Voilà, on va travailler ensemble. Sur 2 gros projets. Voilà. OK, donc merci à tous. Ainsi prend fin la session. Il est 11h00. On va s'arrêter là. Il dit, moi, je ne suis pas vendeur en ligne, mais manager de boutique d'une marque à Abidjan. Mais je me rends compte que ces modules peuvent facilement s'appliquer dans mon domaine et je suis désormais un inconditionnel. Oui, mais une boutique, c'est pareil. C'est le même truc, c'est le même principe. Il faut qu'on te connaisse parce que si on ne te connaît pas, on ne va pas te considérer. Si on ne te considère pas, on ne va pas t'acheter. Et même pour que les gens te connaissent, tu dois faire ce qu'il faut pour te connaître. Donc, ta boutique d'une marque, ta boutique doit avoir sa page en ligne. Ta boutique peut se faire connaître. Parce que si ta boutique ne peut pas aller vers des masses médias, comme on a vu, ta boutique a besoin de se faire connaître par un maximum de personnes. Donc, ta boutique a besoin de multiplier les points de contact.
multiplier le nombre de personnes qui sont touchées, sinon vous n'allez pas dépasser le niveau de vente que vous faites. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que la clientélisation marche. Voilà, ok, merci à tous. Merci à ceux qui me remercient. Ange Pakomda, le merci est pour moi. Et puis, rendez-vous le jeudi pour la formation sur le contenu avec l'expert Joël Oulaye. Il est certifié marketeur par l'institut, le plus grand institut de marketing au monde, qui est l'Institut du Royaume-Uni, de Londres. Et puis, il est aussi certifié par Harvard Business School. Donc, c'est un duo que je vous envoie jeudi. Et puis, on sera là ensemble pour parler de ces principes-là. Voilà. Et surtout, pour ceux qui sont intéressés, rentrez dans la formation, les gars. La formation sur le digital, faites-la pour changer vos vies. Et je vous remercie et puis je vous souhaite un très bon samedi. OK, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.